Bonsoir à tous, bienvenue sur TV07 Ardèche pour une émission politique consacrée aux élections législatives qui, je vous le rappelle, auront lieu les 12 et 19 juin prochains. Ce soir, nous vous proposons un débat avec 5 des 10 candidats à la première circonscription d'Ardèche qui ont accepté notre invitation. Alors, la première circonscription d'Ardèche s'étire le long de la vallée du Rhône et dans le centre du département, et elle est organisée autour de la ville de Privas. Elle regroupe 6 cantons, Bourg-Saint-Andéol, Le Pouzin, Privas, Le Teil, la Voulte-sur-Rhône et une grande partie du Cheylard. Alors, la première circonscription d'Ardèche comprend un peu plus de 102 000 habitants qui ont fait le choix en 2017 d'élire sous l'étiquette PS Hervé Solignac. Le temps de parole a été établi, mesdames et messieurs les candidats, sous la règle de l'équité. Chaque candidat a un chronomètre qui lui est attribué et à chaque fois que vous prendrez la parole, ce chronomètre sera mis en action. Et en toute fin d'émission, on essaiera de réguler selon la disparité que nous aurons repérée tout au long de cette soirée. Alors, également, nous avons fait un tirage au sort pour l'ordre de passage. Et donc, on va se retrouver de suite pour la présentation des candidats. C'est de suite sur TV07. Voilà, la première candidate et notre Benjamin de la soirée, c'est Marie-Elisabeth Flash qui représente ce soir le parti Reconquête d'Éric Zemmour. Vous êtes donc la Benjamin, vous avez 24 ans, vous avez été professeur de français et vous êtes étudiante en psychologie. Alors vous êtes beaucoup investi dans le mouvement des jeunes avec Éric Zemmour, génération Z. Vous êtes originaire des Vosges, vous résidez à Lyon et vous souhaitez vous présenter dans un département qui correspond à vos valeurs et de ce que vous connaissez, à savoir l'Ardèche. Vous avez souhaité avoir comme suppléant Robin Cordier. On se retrouvera juste après pour un complément de présentation. Séverine Ginez, vous représentez la majorité présidentielle. Bonsoir, vous êtes assistante en santé et en sécurité au travail. Vous vous êtes présentée sous l'étiquette Modem dans la liste de La République En Marche et ses alliés lors des élections régionales en 2021. Vous résidez à Aubenas, mais également à Privas. Vous avez 45 ans et vous avez choisi Roger Capel comme suppléant. Michel Valla, vous avez été élu pour la première fois en 1983. Vous avez été maire de Saint-Pierreville durant 3 mandats. Et tout autant pour la mairie de Privas, où vous êtes actuellement le maire. Vous êtes également conseiller régional et départemental. Vous avez 73 ans et vous avez choisi comme suppléante Marie-Pierre Chet, qui est première adjointe à la mairie de Viviers. Céline Porquet, vous représentez, Michel Valla, vous représentez les divers droites, pardon. Céline Porquet, vous représentez le Rassemblement National. Bonsoir, vous êtes conseillère régionale et vice-présidente du groupe RN Auvergne-Rhône-Alpes. Vous avez été nommée au Conseil national en 2020 par Marine Le Pen. Vous êtes conseillère municipale à Viviers, vous avez 44 ans et vous avez choisi Olivier Dupuis comme suppléant. Monsieur Hervé Solignac, vous êtes le député sortant. Vous avez été élu en 2017 sous l'étiquette PS. Vous avez présidé le conseil départemental entre 2012 et 2017. Et vous êtes actuellement conseiller départemental. Vous êtes officiellement le candidat des partis de gauche, la France Insoumise, le Parti Socialiste et Europe Écologique Verte, sous l'acronyme NUPES, Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale. Vous avez 51 ans et vous avez choisi Alexandra Dev-Colette comme suppléant. Voilà, nous allons revenir un petit peu vers vous, Marie-Elisabeth Flash. Pouvez-vous nous dire pourquoi aujourd'hui vous vous présentez face aux électeurs de la première circonscription et éventuellement étayer, étoffer un peu votre présentation? Bonjour à tous. Tout d'abord, pourquoi l'Ardèche? Parce que je suis vraiment de la ruralité. Je suis née entre des vaches et des cochons. J'ai eu mon premier potager à 10 ans. Et ce n'est pas à Lyon que j'aurais le mieux compris la population, sachant que je suis vraiment de la ruralité et je connais l'Ardèche et c'est vraiment une terre rurale et que je comprendrai beaucoup mieux, je pense, que Lyon où je suis pour mes études,
parce que je n'ai pas le choix, il n'y a pas de fac de psycho à Lyon, en Ardèche. Ensuite, pourquoi je me présente? Tout simplement parce que je sais que les jeunes, c'est l'avenir de la France. Or, pour avoir des jeunes expérimentés, il faut des jeunes qui se lancent d'abord. Dans 5 ans, je serai encore jeune et je serai déjà plus expérimentée. Donc voilà, c'est le but. Je sais que ce n'est pas pour rien que je me lance là-dedans. J'ai de la suite dans les idées. Et ensuite, je me suis lancée dans les études de psychologie aussi pour venir en aide à tous ceux que j'ai vus croiser en visitant les hôpitaux, en visitant les prisons, en visitant tous ceux qui souffraient finalement. Et j'ai compris que je pouvais m'engager en politique. Et en m'engageant en politique, j'ai compris aussi que je pouvais en venir à la racine des maux de certaines personnes. Et voilà, donc mon but, c'est de pouvoir écouter les Français, de pouvoir écouter leurs préoccupations, de pouvoir les représenter à l'Assemblée nationale. Maintenant, beaucoup d'Ardéchois se posent la question, et je ne peux que vous poser la question, le fameux parachutage. En quoi êtes-vous légitime en Ardèche, justement? Mais je comprends très bien qu'on me dise ça, puisque j'habite à Lyon en ce moment. Mais comme je vous ai dit, je suis de la ruralité, j'ai des attaches en Ardèche, je connais l'Ardèche, j'y vais souvent en vacances. Et puis c'est une terre rurale, c'est mon identité. Et la ruralité, c'est le berceau, je pense, de l'identité française. Or, un des buts de Reconquête, c'est vraiment de faire renaître l'identité française. Donc, pour sauver l'identité, il est bon de sauver la ruralité qui en est le berceau. Merci. Sabrine Ginez, pouvez-vous nous dire pourquoi vous présentez-vous devant les électeurs de la première circonscription? Alors, prenez votre micro, si vous voulez. C'est mieux quand même, c'est beaucoup mieux. Oui, bonsoir. Tout d'abord, je me présente pour la majorité présidentielle, bien sûr. C'est parce que je pense que c'est en s'impliquant qu'on peut faire changer les choses. Et moi, je suis déterminée à donner de mon temps pour représenter les Ardéchois. Ensuite, c'est parce que je pense qu'on peut faire bouger les codes. Ma candidature, voilà, peut-être un peu jeune aussi en politique, mais je pense qu'on peut faire bouger les codes et aussi libérer la voix de cette majorité silencieuse, les gens qu'on n'entend pas, mais qui ont des valeurs et qui n'ont pas besoin de crier pour se faire entendre, mais qui veulent vivre comme il faut dans leur territoire et porter leurs valeurs ardéchoises aussi. Et enfin... Je me présente parce qu'il y a beaucoup de sujets qui me tiennent à cœur. L'éducation, chacun doit avoir les mêmes droits. Les professeurs doivent être mieux reconnus. Et nous devons aussi proposer une alimentation de qualité pour tous. Et puis évidemment, tout le monde doit pouvoir vivre dignement de son travail. Et pour le dire simplement, si je sollicite votre confiance ce soir, c'est qu'au niveau local, je puisse être une députée à votre écoute, pour que nous mettions en valeur nos savoir-faire, nos spécificités. Et au niveau national, nous devons donner une majorité à Macron pour agir pour notre pays. Parce que dans des temps graves comme nous vivons, avec la guerre qui est à nos portes, les épidémies, le changement climatique, voter pour moi, pour la majorité présidentielle, c'est voter pour la responsabilité. Et voilà, merci. Très bien, merci. Michel Valla, dites-nous un petit peu... Pour quelles raisons vous présentez face aux électeurs de cette première circonscription que vous connaissez bien, étant maire de Privas, et éventuellement donner un supplément de présentation? Bon, d'abord, merci et bienvenue ici à Privas. Excusez-moi, je fais un petit préambule aussi qui m'est cher. Et puis, je trouve que vous avez mis de gros moyens dans cette soirée, donc bravo. D'ailleurs, on remercie évidemment la municipalité de Privas de nous avoir mis dans les meilleures conditions, et ainsi que les services techniques. Tout le monde était adorable avec nous. On a vraiment pu travailler et proposer ce type de soirée. En tout cas, merci. Et puis, je voulais dire à mes collègues, bienvenue aussi, puisque vous savez que pour se présenter à une élection, quelle qu'elle soit, il faut un certain courage, parce qu'on prend le risque d'échouer, on prend le risque de la critique, on prend le risque de se faire vilipender, même, éventuellement. Donc, voilà. Moi, je suis le maire de Privas, je suis le seul maire, évidemment, de l'ensemble des candidats. En fait, c'est l'école même de l'humilité, de la persévérance, de la perspicacité, de la réactivité.
Et c'est ce qui m'a conduit à acquérir un certain nombre de convictions et des valeurs qui se sont étoffées au fur et à mesure de mes mandats. Et vous avez oublié tout à l'heure de dire que j'avais été aussi conseiller général pendant deux mandats. Vous avez parlé du conseil régional, mais j'ai fait qu'un bout de mandat du conseil régional. Mais le conseil général, ça m'a été très utile pour comprendre la problématique du département notamment. Et quand on se présente à une élection législative, on a déjà cette petite habitude de la connaissance du terrain. Et j'estime que je connais presque parfaitement cette circonscription. Et évidemment, j'ai eu envie d'apporter ma contribution à ce mieux-être que réclament bon nombre de nos citoyens de ce département qui nous est cher. Merci, monsieur Vallat. Madame Porquet, Céline, dites-nous un petit peu pourquoi vous avez souhaité vous présenter face aux électeurs. Écoutez, bonsoir et merci à TV07. Merci à vous, monsieur Valentin, et à toutes vos équipes. Je sais que ça a donné ça a mérité beaucoup d'organisation pour justement faire ce moment démocratique. Et donc, merci. Merci beaucoup. Donc, vous l'avez mentionné tout à l'heure, je suis soutenue par Marine Le Pen et le Rassemblement national pour ces élections législatives. Donc, je suis candidate. Je souhaite défendre les Ardéchois, défendre les Français à l'Assemblée nationale. Je suis fermement opposée à la retraite à 65 ans que souhaite nous imposer Emmanuel Macron. Nous portons une vision beaucoup plus juste, beaucoup plus protectrice de la société. Pouvoir partir à 60 ans quand on a commencé à travailler tôt, parce que notamment ce sont des métiers difficiles, c'est ce que je défendrai demain à l'Assemblée nationale et c'est ce que je suis la seule à défendre autour de cette table ce soir. Nous portons des propositions fortes sur le régalien, le quotidien, sur le régalien en matière de sécurité, de justice, d'immigration, sur le quotidien en matière de pouvoir d'achat, d'accès aux soins, d'accès aux services publics. Je souhaite une France sûre, fière et respectée. Je ne serai pas une députée de gestion. Si les Ardéchois me font confiance demain, je serai une députée qui incarne une vision pour l'Ardèche, qui incarne une vision pour la France et les Français depuis trop longtemps oubliés. Merci. Merci. Hervé Solignac, terminez cette présentation, ce premier tour de table, on va dire. Présentez-vous un petit peu, peut-être un peu plus, et surtout pourquoi vous avez souhaité vous représenter face aux électeurs, puisque vous êtes le seul à avoir vécu ce premier mandat. Je vous poserai d'ailleurs la question, est-il plus difficile de vous se présenter une seconde fois ou la première fois ? Non, ce qui est difficile, c'est de se représenter. Gagner une fois, c'est bien. Gagner deux fois, c'est la confirmation qu'on a fait du bon travail. Et donc, c'est l'objectif que j'ai que de pouvoir me faire élire à nouveau. Mais je veux évidemment, à mon tour, vous remercier pour avoir organisé ce débat. La démocratie en a besoin, des débats comme celui-là. Et pour répondre le plus précisément possible à votre question, quelles sont les raisons et les motivations qui m'ont poussé à être candidat à ma succession, puisqu'au fond, j'aurais pu en décider autrement. Trois raisons. D'abord, j'ai passé cinq années passionnantes à l'Assemblée nationale et que, pour être très sincère avec vous, je crois qu'il faut plusieurs années pour devenir un député expérimenté. Et j'ai trop vu à l'Assemblée de jeunes députés qui n'ont jamais trouvé leur place et qui n'ont jamais d'ailleurs acquis l'expérience nécessaire pour être efficace. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que nous sommes confrontés à une société fracturée, c'est le moins que l'on puisse dire, et on l'a vu ces cinq dernières années. Et nous avons devant nous des débats essentiels, déterminants, si on veut que cette société continue à fonctionner dans le cadre d'un vivre ensemble et d'une cohésion sociale à laquelle je suis très attaché. Moi, lorsque je suis sur les marchés à la rencontre des Ardéchois, on me parle de la prochaine réforme des retraites et je veux m'impliquer dans ces questions-là. On me parle de réchauffement climatique et je veux m'impliquer dans ces questions-là. On me parle de pouvoir d'achat, évidemment. On me parle de nos institutions qui sont malades. Et je crois donc qu'il y a de grands chantiers dans lesquels je souhaite pouvoir m'impliquer. Et puis la dernière et la troisième raison, c'est que j'ai d'une certaine manière l'Ardèche dans mon ADN. Je connais cette circonscription par cœur, d'abord parce que je l'ai labourée, les 97 communes depuis le Mézin, Boré, les pentes du Gerbier des Joncs, jusqu'à l'embouchure de la rivière Ardèche à Saint-Just d'Ardèche et à Saint-Martin d'Ardèche. Et je crois que cet attachement, ce lien fort que j'ai avec les Ardéchois, incontestablement, c'est l'une de mes principales motivations.
Monsieur Solignac, vous connaissez un petit peu actuellement les tensions qu'il peut y avoir sur... vous avez été choisi au Bureau national de la nouvelle Union populaire écologique et sociale et vous présentez sous l'étiquette PS. Est-ce que vous pouvez ce soir apporter plus de clarification, puisque ça m'a pas l'air d'être clair pour tous les Ardéchois? Oui, c'est extrêmement simple. Je crois que c'est la 13e fois, je ne devrais pas le dire, ou 14e fois que je suis candidat. J'ai toujours été candidat au titre du PS et donc rien ne change. Ce qui change et ce qui porte probablement à confusion, c'est un accord national avec les quatre principales formations politiques de la gauche qui ont souhaité qu'il n'y ait pas de concurrence entre chacune de ces formations. Et donc cet accord national a prévu une répartition des candidatures, certains pour LFI, d'autres pour le Parti communiste, d'autres pour Europe Écologie Les Verts, et j'ai été retenu au titre de ma formation politique, le Parti socialiste. C'est à ce titre-là que j'ai déposé ma candidature en préfecture. La NUPES est un acronyme, oui. Et le terme qui désigne cet accord, mais ça n'est pas un parti politique. Mais en même temps, il y a différents points qui ont été abordés, différents points d'entente. Vous n'êtes pas en convergence avec tous ces points. Moi, aujourd'hui, je me pose la question, si j'étais électeur de la première circonscription et que je souhaite voter le parti de Jean-Luc Mélenchon, est-ce que je peux voter Hervé Solignac parce qu'il a été élu au Bureau national ou été élu au Bureau national. Oui, je sais pas où vous avez été choisi. Vous avez été choisi dans le cadre d'un accord national. Voilà, d'un accord national. Mais voilà. On a l'impression que vous êtes un petit peu entre deux chaises et que vous avez accepté. On peut prendre Laurent Huguetto sur la 3e circonscription qui s'est mis dissident et qui se présente sous l'étiquette PS. Mais parce qu'il n'a pas eu le choix, puisqu'il n'a pas été retenu dans le cadre de l'accord national. Oui. Mais vous me dites qu'il y a des divergences, dites-moi lesquelles ? Ben non, vous avez des divergences par rapport peut-être à la retraite, par rapport à la 6e République, puisque non, la 6e République... La 6e République, c'est un nom. Moi, je suis extrêmement attaché à ce que l'on réforme nos institutions en profondeur, je peux vous en parler si vous le souhaitez. On peut appeler ça 6e République, on peut appeler ça Nouvelle République, peu importe le nom qu'on lui donne. Ce qui est important, c'est qu'il faut modifier les règles du jeu de notre vivre ensemble, parce que sinon, on va au-devant d'une très grande catastrophe. Il y a probablement 50% des électeurs qui ne vont pas venir voter le dimanche 12 juin. C'est ce que nous annoncent les sondeurs. Si on ne modifie pas les règles du jeu, dans quelques années, il y aura 10% des Français qui se déplaceront aux urnes, et là, ce sera la catastrophe. Donc sur ces questions-là, je suis complètement raccord et j'ai aucune difficulté. Très bien, merci Monsieur Solignac de ces précisions. Alors, mesdames et messieurs les candidats, on va parler tout au long de ce débat de votre territoire, de notre territoire, un territoire rural. Nous parlerons évidemment des nombreuses problématiques comme le pouvoir d'achat, de la santé, de la désertification médicale. Nous parlerons également de sécurité et d'écologie. Mais avant tout, une question d'actualité. En effet, un nouveau gouvernement vient d'être nommé avec à sa tête une femme, Elisabeth Borne, une nouvelle équipe et trois priorités de ce nouveau gouvernement. Pardon, ce sont l'écologie, la santé et l'éducation. Marie-Elisabeth Flash, sommes-nous avec ce nouveau gouvernement dans une forme de continuité des 5 années précédentes, ou y a-t-il véritablement une vraie rupture avec cette nomination d'Elisabeth Borne? Alors je pense qu'il y a d'un côté une continuité parce que c'est toujours Emmanuel Macron qui est président, et d'un autre côté on dirait qu'il y a un symbole un peu avec ce nouveau gouvernement de ce qui va arriver dans ces 5 futures années. Un peu comme si Emmanuel Macron avait vu qu'effectivement M. Mélenchon avait fait un bon score et qu'il voulait essayer de ménager la chèvre et le chou pour contenter un peu M. Mélenchon. Je pense par exemple à Pape Ndiaye, qui a quand même beaucoup d'idées comme M. Mélenchon. Et c'est quelqu'un qui va m'inquiéter pour le niveau de l'éducation. Très bien, merci. Séverine Ginez, Elisabeth Borne a une tendance un petit peu à concentrer l'attention en ce moment des médias nationaux. Comment voyez-vous son arrivée dans ce gouvernement et les avantages de cette nomination pour la majorité présidentielle? Déjà, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas eu une femme. On n'avait eu qu'une seule femme Premier ministre. Edith Cresson. Voilà, Edith Cresson, oui, c'est ça. Oui. Et puis, surtout, c'est la première fois que ça va être le Premier ministre qui va prendre en charge l'écologie, avec la planification écologique, qui est un thème très important. Et bien entendu, c'est une femme qui a le sens du travail, qui est déjà très au fait, parce qu'elle était déjà dans le gouvernement auparavant. Donc c'est une très bonne chose, il me semble, pour le pays d'avoir une femme comme ça à sa tête.
est très motivée, en fait. C'est une très grande chance pour nous. Merci. Michel Vallat, est-ce que vous voyez un bon message envoyé par Emmanuel Macron, justement, cette nomination d'une femme, et qui plus est, d'Elisabeth Borne? Bon, on en a fini avec l'élection présidentielle, me semble-t-il. Donc aujourd'hui, on ne peut que souhaiter qu'il y ait un Premier ministre. En fait, c'est une Première ministre, une dame, effectivement. Je pense qu'on ne peut pas commencer à porter un jugement avant même qu'elle ait commencé à travailler. Elle commence juste à travailler. Moi, je lui souhaite évidemment toute la réussite, c'est évident, en espérant évidemment qu'elle ait la capacité de prendre en charge un certain nombre de préoccupations majeures, et puis surtout qu'il puisse y avoir un peu de compréhension en direction de son plan et de son évolution obligatoire, parce qu'il faut évoluer très vite. Est-ce que vous pensez justement ces trois priorités que sont l'écologie, la santé et l'éducation, ce sont des thèmes qui parlent aujourd'hui aux Français plus que d'autres, puisque de toute façon on en abordera certains ce soir? Ou est-ce que vous pensez qu'il y aurait peut-être eu d'autres sujets, peut-être plus urgents, à aborder dans un premier temps? Oui, je pense que ce sont des thèmes qui sont partagés par un grand nombre. Le développement économique me paraît être aussi à rajouter avec un peu plus de substance et un peu plus de certitude, parce que, vous le savez, c'est le développement économique qui assure le développement aussi de tout ce qui va avec, c'est-à-dire l'action sociale, l'action culturelle, l'action sportive et tout ce qui doit être financé par les subsides du développement économique. Merci. Céline Porquet, comment jugez-vous ce nouveau gouvernement? Eh bien, écoutez, on est dans la continuité. C'est à se demander pourquoi il a rebaptisé son mouvement Renaissance. Vu qu'on va, on va continuer comme les cinq dernières années, ça sera toujours la casse sociale, l'immigration massive et la retraite à 65 ans. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il a nommé Elisabeth Borne, c'est pour qu'elle applique justement docilement tout ça. Je rappelle qu'Elisabeth Borne, c'est la privatisation, c'est la continuité pardon, de la privatisation des autoroutes. C'est aussi les 15 000 soignants suspendus, voyez-vous, avec sans salaire. Ben ça, c'est Elisabeth Borne, voyez-vous. Donc non, on continue comme ça pour ces cinq prochaines années, dans la continuité. Donc c'est pour ça que ces élections législatives sont importantes. Car si on veut peser à l'Assemblée, si on veut pouvoir freiner cette politique, cette triste politique d'Emmanuel Macron qui va être menée ces cinq prochaines années, il faut qu'il y ait une opposition forte, constructive. Et voilà, c'est pour ça qu'il faut aller voter. Merci. Hervé Solignac, dites-nous un petit peu votre premier ressenti de cette nomination et puis du nouveau gouvernement avec de nouvelles têtes et puis des têtes qui sont restées, des ministres qui sont restés. Est-ce que l'on a un gouvernement qui est peut-être plus à gauche qu'avant ou pas du tout? Il l'est peut-être sur le papier, mais moi je rappelle que dans nos institutions, c'est le président de la République qui gouverne. Et celui qui a été élu en 2022 est le même que celui qui a été élu en 2017. Et je ne suis pas tout à fait convaincu que, de ce point de vue-là, la trajectoire qu'il a donnée au pays pendant 5 ans va être considérablement modifiée. Alors bien sûr, ensuite, on peut faire, en quelque sorte, une forme d'affichage dans le casting. Le ministre de l'Éducation nationale, M. Pap Ndiaye, est en rupture presque totale dans son parcours avec son prédécesseur, M. Blanquer. Quant à Mme Borne, c'est une femme qui a fait toute sa carrière dans la très haute fonction publique, donc elle la connaît très bien. J'ai eu personnellement à la côtoyer à plusieurs reprises, et notamment lorsqu'il a fallu aller chercher les crédits qui manquaient pour financer le contournement du Teil. On peut parfois revenir à des choses ardéchoises, mais c'est une route nationale, et figurez-vous que l'État n'avait plus d'argent pour terminer les travaux. Et donc il a fallu aller jusque dans son bureau pour les obtenir. Moi, je veux dire le plus honnêtement du monde qu'elle a été à l'écoute, puisque nous les avons obtenus, mais c'est aussi une femme qui, de toute façon, dans les fonctions qui sont les siennes, c'est-à-dire chef du gouvernement, ira chercher ses ordres à l'Élysée et nulle part ailleurs. C'est comme ça que cela se passe. Donc nous verrons si les annonces qui ont eu lieu et que chacune et chacun a probablement entendu sur le réchauffement climatique, sur le pouvoir d'achat, sur la santé, parce que le président de la République a dû constater par lui-même qu'il y avait le feu dans la plupart des hôpitaux de ce pays, nous verrons bien si les paroles se traduisent par des actes qui aspiration des Français. Merci, monsieur Solignac. Alors, nous allons démarrer les différents thèmes que, évidemment, nous avions envoyés, puisque vous avez été tenu informé des thèmes que nous allions donc aborder ce soir. Et le premier thème que l'on souhaitait développer ce soir, c'est le pouvoir d'achat. En effet, c'est la priorité aujourd'hui des Français devant la santé et le dérèglement climatique. Alors, c'est un sujet, évidemment, pour tous les Français, mais également les Ardéchois.
celui qu'on retrouve dans toutes les conversations et qui agite la campagne pour l'élection législative. Alors il suffit évidemment d'aller chercher du carburant à la pompe ou de se rendre dans un supermarché pour constater que les prix, d'une part, ne baissent pas, mais ont fortement augmenté, de manière, entre autres, spectaculaire. Alors, on sait que l'Ardèche est un département rural, où chacun a besoin de son véhicule pour aller travailler, très peu de transports publics. Alors, la solution serait-elle d'augmenter le SMIC et le passer à 1500 euros, comme certains l'entendent, de réduire les impôts, d'effectuer des blocages de prix de produits de première nécessité, passer une TVA à 0% sur certains produits de première nécessité. Autant de réflexions, autant de questions que j'ai envie de vous poser ce soir. Marie-Elisabeth Flash, dites-nous un petit peu ce que vous proposez pour les Ardéchois et évidemment pour les Français si vous êtes élu député. Alors effectivement, c'est vraiment le nerf de la guerre. Sans ce pouvoir d'achat, il n'y a pas de revalorisation de la santé, pas de moyens pour lutter pour l'écologie. Donc effectivement, c'est vraiment le nerf de la guerre et le centre de toutes nos préoccupations aujourd'hui, spécialement en Ardèche, dans la ruralité. Donc effectivement, le prix de l'essence a beaucoup augmenté. Alors il y a beaucoup de choses que l'on prévoit, que je prévoirai et que je prévois tout simplement quand je serai élue. Tout d'abord, vous avez parlé donc du prix de l'essence. Effectivement, dans la ruralité, on a besoin de notre voiture 24 heures sur 24. On fait tout en voiture parce qu'on n'a pas d'autre choix. Avec Reconquête, nous voulons justement que les entreprises remboursent 50% des trajets des travailleurs pour que ce soit un peu à égalité avec la ville, avec les travailleurs urbains qui sont remboursés à 50% pour les transports en public. Mais est-ce que vous pouvez demander à un petit artisan qui a 2 ou 3 salariés de supporter une charge supplémentaire quand on sait qu'aujourd'hui les entreprises sont un peu prises à la gorge et de demander à un employeur d'une petite société de prendre en charge 50% du carburant de son salarié? Mais alors justement, avant ça, il y a les petites entreprises et les PME sont une des priorités de Reconquête dans le sens où notre but aussi c'est de les décharger d'une trop grande fiscalité, de trop grands impôts, pour qu'ils puissent vivre et leur donner une plus grande liberté, en fait, pour qu'ils puissent faire un peu plus ce qu'ils veulent et ce qu'ils peuvent déjà. Parce que pour fonder une entreprise, il faut déjà le vouloir. C'est un énorme défi. Donc leur donner la liberté leur permettrait d'avancer, de grandir un peu, de faire grandir leur PME. Merci. Que vous avez quelque chose, n'hésitez pas à évidemment intervenir. Hein. C'est un débat démocratique, c'est un débat entre passionnés, je pense, vous présenter à cette élection. Donc si vous n'êtes pas d'accord, évidemment, mesdames et messieurs les candidats, n'hésitez pas à prendre le micro et intervenir. Voilà, Séverine Ginez. Oui, vous vouliez rajouter quelque chose. Je pensais juste aussi à tout ce qui est aujourd'hui renouvelable, tout ce qui est le nucléaire, l'hydraulique. Aujourd'hui, M. Macron a annulé les taxes d'habitation. Donc ça, on s'est dit, super. Et il a essayé de mettre en valeur le renouvelable. Or, ça fait des années que la France fonctionne avec surtout le nucléaire et l'hydraulique, que c'est la plus grande puissance en Europe pour de production d'électricité décarbonisée et surtout économique. Ça, on en parlera peut-être tout à l'heure. Mais du coup, voilà, juste pour finir, cette mise au point vers le renouvelable va peut-être, et c'est même certain, redonner des taxes sur l'électricité et sur les taxes foncières qui vont augmenter à cause de ça. Donc notre désir, c'est ça va dans le pouvoir d'achat, justement. Il faut prendre vraiment les choses à la racine et pour y voir à long terme pour le pouvoir d'achat. C'est vraiment aussi ce qui est reprendre ce qui est vraiment économique. Là, nous parlons, vous avez parlé du pouvoir d'achat est lié au carburant, mais également l'alimentaire. Le Français qui gagne de petits salaires aujourd'hui, quand il va chercher ses pâtes, son huile ou d'autres produits de première nécessité, se retrouve aujourd'hui pris à la gorge et son pouvoir d'achat diminue encore et l'appauvrit encore plus. C'est ça que veulent entendre aussi les Ardéchois. Nous sommes dans un département pauvre. Et ils veulent entendre ce soir aussi des propositions concrètes quand ils vont faire leurs courses dans leur supermarché. Alors, effectivement, il y a beaucoup de choses concrètes que l'on propose, notamment
le doublement de la CAF, du quotient familial pour les familles, pour que les familles puissent vivre plus facilement. Ensuite, pour les retraités qui ont moins de 1300 euros par mois, on donnera 600 euros de plus au maximum, au minimum. Et voilà, il y a aussi le problème de ces apprentis, jeunes apprentis qui n'ont pas du tout le SMIC, qui en sont parfois 54, parfois 75, ça dépend des entreprises, et qui ont du mal à vivre aussi. Parfois, ils ont déjà des enfants, ces apprentis, donc pour vivre, c'est vraiment très difficile. Or, nous voulons mettre au niveau du SMIC le salaire de ces apprentis. Merci. Séverine Ginez, que proposez-vous dans la majorité présidentielle sur le pouvoir d'achat des Français ? Quelque chose de très urgent, on le voit de plus en plus, on l'entend. On entend la souffrance des Français, on entend la souffrance des Ardéchois, qui nous, d'ailleurs, nous ont beaucoup interpellés quand on a préparé cette émission. C'est que va faire ce gouvernement pour le pouvoir d'achat, mais pas dans 5 ans, c'est demain, même aujourd'hui. Oui, bien sûr. Bien sûr, avec la guerre qui est de retour, l'inflation, ça pèse encore beaucoup sur le pouvoir d'achat. Et une fois de plus, nous serons au rendez-vous. On ne peut pas baisser les impôts, augmenter les salaires sans mener une économie dans le mur. Avec Emmanuel Macron, c'est une politique de pouvoir d'achat pour tous. Et ce sont des actes et pas des mesures électoralistes. Alors, ce qu'on a fait ces 5 dernières années, si on peut rappeler, c'est face à la crise... Chacun a pu le voir, l'État a soutenu le chômage partiel, les fonds solidarité, des chèques inflation, la baisse aussi de 18 centimes du carburant et le bouclier aussi tarifaire. Et le travail aussi a été mieux rémunéré qu'auparavant. Emmanuel Macron a mis en place la prime Macron qui a bénéficié à plus de 5 millions de salariés. Évidemment, nous devons aller plus loin, surtout en ces temps de crise. Et nous allons donc dès l'été, en fait, il est prévu une loi sur le pouvoir d'achat. C'est une urgence pour tous les Français, avec un chèque alimentaire qui sera adressé aux foyers les plus modestes. Également aussi supprimer la redevance télé, qui, pour le coup, est quand même une économie pour les foyers de 138 euros. Et pour conclure, je veux quand même dire un mot sur ce qui touche les Ardéchois. Bien sûr, c'est le prix à la pompe, hein, puisqu'on utilise tous notre véhicule. Justement, est-ce que vous pensez que ces 18 centimes suffisent ? Parce que lorsqu'on va à la pompe, on ne les sent pas, ces 18 centimes. On voit l'équivalent de 2 euros le litre. Bien sûr. Et les Ardéchois, qui plus est, ceux qui vivent dans des petits villages reculés du plateau Ardéchois que vous connaissez, eux, ils sentent quand même que leur salaire diminue. Et ils se retrouvent avec déjà des petits salaires. Les retraités, il faut savoir qu'en Ardèche, la retraite moyenne est de 1046 euros net par mois, alors que la moyenne nationale est de 1393 euros. Donc on voit déjà que nos retraités ont de petits revenus auxquels vous enlevez encore. Est-ce qu'il ne peut pas y avoir des actions beaucoup plus fortes ? Le quoi qu'il en coûte, nous l'avons eu avec la pandémie. Est-ce que vous ne pensez pas que le quoi qu'il en coûte pour cette période justement de difficulté au niveau du pouvoir d'achat ne doit pas prendre sa place ? Bien sûr, je pense que personne ne sera laissé sur le bord de la route. On ne peut pas laisser des gens comme ça sans solution. Donc évidemment, une des solutions qui n'est peut-être pas... mais une des solutions qui peut être faite rapidement, c'est de proposer une voiture électrique à moins de 100 euros pour chaque foyer. Ça peut être une des façons de pallier cette augmentation, puisque le tarif de l'électricité est quand même bien moindre. Et bien sûr, ce chèque alimentaire qui doit être aussi donné à tous les revenus et pas que les modestes. Voilà. Et puis, si on peut aussi insister sur le fait que ce chèque alimentaire soit donné pour une alimentation de qualité et une alimentation aussi des producteurs locaux pour faire aussi vivre notre ruralité et que tout le monde en bénéficie. Merci. Michel Valla, que proposez-vous en qualité de représentant des divers droites pour le pouvoir français, enfin le pouvoir d'achat des Français et des Ardéchois ? Alors, moi, je voudrais d'abord faire une petite préambule, si vous le permettez. Je ne sais pas si ça résonne correctement. Ça va. Vous m'entendez bien ? Tout va bien, je vous entends bien. Je pense que tout le monde vous entend bien. Bon.
ce qui vient de nous arriver là, les deux ou trois dernières années, enfin les deux dernières années, que ce soit la pandémie, que ce soit cette crise économique qui pointe son nez et qui nous vient malheureusement de ce conflit en Ukraine, doit nous contraindre et nous obliger à une réflexion profonde. C'est-à-dire qu'on est dans la capacité de résoudre les problèmes au fur et à mesure qu'ils arrivent, évidemment. Mais il y a deux ans, est-ce que quelqu'un ici était capable de dire qu'on aurait une crise en Ukraine ou provenant de Russie? Je ne pense pas qu'on ait eu cette capacité. Par contre, gouverner, c'est prévoir. Et notamment, on a parlé d'alimentation en énergie. Quand on voit des pays comme l'Allemagne, notamment, qui ont fait des choix quasiment uniques en direction du gaz russe, je suis très étonné. Donc, tout ça pour vous dire que ce pouvoir d'achat, quoi qu'on en dise, est à prendre à bras le corps. Enfin, cette crise sur le pouvoir d'achat est à prendre à bras le corps, ça va de soi. Par contre, ce que je peux... Vous ne m'écoutez pas, là, si ? Si, je vous écoute. Donc, d'accord. Je croyais que vous étiez parti ailleurs. On va juste remettre la climatisation. Je pense que tout le monde est un peu chaud. D'accord. Ok. D'accord. Voilà. C'est bon. Merci. C'était juste pour vous dire qu'évidemment, j'ai des idées et que j'ai des convictions aussi sur ce sujet-là. On a parlé du pétrole. En 48 heures, le problème peut être réglé. Il suffit d'une volonté du président de la République de dire, à partir de maintenant, on ne surtaxe plus les taxes. Et on peut passer de 2 euros à 1,50 euros immédiatement. Le coût du brut, on le connaît. On connaît le coût de la transformation, du raffinage. On sait combien ça revient. Évidemment, l'État se gave là-dessus. Première réflexion, on doit pouvoir régler ce problème assez rapidement si on en a la volonté. Deuxième réflexion sur un sujet qui nous trouble tous. Effectivement, le montant des retraites de certaines personnes. Savez-vous qu'il ne se passe pas une semaine dans ma mairie sans que je reçoive des retraités qui ont 650, 700, 750 euros par mois et qui viennent les larmes dans les yeux en disant quoi ? Je ne peux plus me soigner, je ne peux plus aller chez le dentiste, j'ai vendu ma voiture, je dois me séparer de mon téléphone. Comment on peut accepter ça quand on est responsable politique, responsable élu local, même simplement? On doit combattre ça et soulager ces gens d'une manière ou d'une autre. Mais j'ai l'impression qu'on entend ça à chaque gouvernement successif, que ce soit de droite ou de gauche depuis 30 ans, où on voit justement le pouvoir des Français et notamment de petites retraites, ça se délite. Mais il n'y a pas d'action concrète. Alors à décharge... Pour Emmanuel Macron, évidemment, sur ces 5 ans, il s'est pris un an de gilet jaune, il s'est pris 2 ans de Covid. Et là, c'est la guerre en Ukraine. Alors, c'est certain que ce n'est pas facile. Mais en même temps, nous sommes sur un nouveau gouvernement aujourd'hui. Il va falloir prendre des décisions concrètes parce que c'est le peuple qui va finir. Ça va finir dans la rue. Enfin, je me mets à la place, moi, de toutes ces petites retraites dont vous parlez, monsieur Valla. Mais pas que. Vous avez aussi aujourd'hui une classe moyenne qui est en train de s'ouvrir, une classe moyenne qui avant ne regardait pas en faisant des achats dans les intermarchés, les supermarchés, qui aujourd'hui commence à regarder. Et ça, c'est relativement inquiettant. Voilà. Permettez que je termine. Voilà, je vous écoute. Vous m'avez interrompu. C'est vrai, je vous interromps. Il faut m'écouter un peu, s'il vous plaît. Votre avis est excellent, votre conviction est aussi profonde, donc il n'y a pas de problème. Ce que je veux dire simplement, c'est que nous, à notre, on n'est pas député, on est candidat député. Mais à notre niveau, on constate ces travers, on constate ces insuffisances et ces manquements. C'est insupportable. Alors, évidemment, il faut bien commencer à avoir la conviction et avoir la capacité d'agir. Et tant qu'on n'est pas député, évidemment, on n'a pas. Mais mon intention est profonde sur ce sujet. Croyez bien, si je suis élu, vous allez entendre parler de moi sur ce sujet très vite. Merci, monsieur Valla. Madame Porquet, qu'est-ce que vous proposez à Rassemblement National sur ce pouvoir d'achat, de ce que l'on vient et ce que les candidats viennent d'évoquer? Qu'est-ce que vous avez envie d'apporter? Le pouvoir d'achat, c'est une urgence absolue. Il faut le dire, il a été nié, méprisé depuis un certain nombre de temps. Car je rappelle quand même qu'en 2017, il y avait déjà eu la mobilisation des Gilets jaunes qui avaient des revendications de pouvoir d'achat après la hausse des carburants.
hausse des prix de l'électricité, de l'énergie en général, du carburant, des produits alimentaires. C'est une angoisse quotidienne pour les Français qui n'arrivent pas à remplir leur caddie et à payer leurs factures. Nous avions fait d'ailleurs, durant la campagne présidentielle, du pouvoir d'achat un axe majeur. Alors bien sûr, le gouvernement daigne enfin s'atteler à cette problématique de pouvoir d'achat, Madame Ginez. Mais vos mesures sont insuffisantes, les mesures qui sont sur la table ne sont pas à la hauteur. Je pense à votre bouclier tarifaire que vous avez dit tout à l'heure. C'est une mesure qui est payée par la dette, qui est ponctuelle et qui aura des conséquences très graves sur le pouvoir d'achat des Français. Pourquoi ? Parce que, ça a été dit il y a quelques jours, le gouvernement prévoit déjà une hausse de 8% sur la facture de l'électricité, justement pour compenser le manque à gagner de ce bouclier tarifaire. Vos mesures, chèque alimentaire, chèque inflation, mais quelle tristesse, quelle régression. Enfin, vous voyez un retraité ou une famille attendre son chèque alimentaire ou son chèque énergie pour pouvoir remplir son caddie ou payer sa facture. C'est d'une tristesse incroyable, je ne m'y résoudrai jamais. Il faut donc des réformes structurelles, il faut mettre en place des mesures pérennes pour rendre du pouvoir d'achat aux Français. Nous souhaitons, dans un premier temps, il faut réformer, négocier sur le marché unique de l'énergie, le marché européen de l'énergie. Durant la campagne présidentielle, Emmanuel Macron nous a dit « Oh là là, c'est pas possible, on peut pas négocier, on peut pas modifier ». Ben écoutez, l'Espagne et le Portugal ont négocié, l'Espagne et le Portugal ont réussi à avoir une baisse de 30% sur le prix de l'électricité. Ensuite, nous proposons également de baisser la TVA de 20% à 5,5% sur l'ensemble des énergies, l'électricité, le gaz, le fuel, le carburant que nous voulons considérer comme des produits de première nécessité. Sur le carburant, 60% de taxes à la pompe. C'est du racket fiscal, pur et dur. On est dans un contexte où plus les prix du carburant augmentent, plus l'État s'engraisse, plus les Français s'appauvrissent. Il faut revenir à un juste équilibre en matière de taxes et donc descendre cette taxe à 5,5. Nous faisons aussi d'autres propositions en mesure sur le pouvoir d'achat, notamment la suppression de la TVA sur 100 produits de première nécessité. L'urgence est telle pour les Français qu'il faut ce genre de mesures. Nous souhaitons revaloriser les petites retraites et l'allocation adulte handicapé que nous souhaitons également réindexer sur l'inflation. Madame Ginez, je sais que le gouvernement souhaite réindexer les retraites pour août ou septembre, je crois, après les élections. C'est toujours comme ça que ça se passe. Malgré que les retraités, vous ne pensez pas qu'ils aient assez attendu ? Parce que je rappelle quand même que la désindexation des retraites, c'est vous qui l'avez mis en place durant ces 5 dernières années. Ensuite, nous souhaitons permettre l'augmentation des salaires de 10% en gelant les cotisations patronales des entreprises. Et nous avons aussi pas mal de mesures pour nos jeunes, pour notre jeunesse. Nous sommes très attachés à la valeur travail, notamment pour nos apprentis, ceux qui sont en formation professionnelle. Nous souhaitons augmenter de 200 à 300 euros leur salaire. Et nous souhaitons garder nos jeunes en France. Voyez-vous, chaque année, il y a à peu près entre 160 et 180 000 jeunes qui partent de France, qui vont s'installer à l'étranger. Parce que c'est trop compliqué en France, il n'y a pas de perspective. Et donc, ils vont construire leur vie là-bas et créer des entreprises. Nous souhaitons qu'ils restent en France. Et donc, nous portons deux mesures importantes, notamment l'exonération d'impôt pour les jeunes de moins de 30 ans et l'exonération de l'impôt sur les sociétés pour les jeunes créateurs d'entreprises. Nous souhaitons qu'ils restent en France, qu'ils fondent leur famille en France et qu'ils nous fassent participer de leur génie et de leurs compétences. Merci, Hervé Solignac. Je suis effaré quand j'entends ça parce que je viens d'entendre une litanie de dépenses publiques et pas un mot sur les recettes. Alors si le débat, c'est on rase gratis, je sais faire, il n'y a pas de problème. Moi, je peux prétendre et je peux dire que tout le monde souhaite avoir 2000 euros de salaire minimum par mois, que les retraités aimeraient que ça double ou que ça triple. Je pense qu'il faut être honnête à l'égard de celles et ceux qui nous regardent et qui nous écoutent. De quoi parle-t-on ? On ne parle pas du pouvoir d'achat. Pour 9 millions de Français qui vivent sous le seuil de pauvreté, on parle du pouvoir de vivre. À ces 9 millions de Français, vous pouvez en rajouter 4 et presque 5 qui sont en deçà 1500 euros par mois et qui ont des enfants et qui ne parviennent pas à boucler les fins de mois. Donc le sujet, c'est d'abord comment fait-on pour que dans cette société, certaines personnes ne tombent pas dans la précarité parce que la suite logique de la précarité, quand on les compte en millions, c'est l'explosion sociale. Le président de la République sait probablement, il faut souhaiter qu'il l'ait enfin compris, que nous avons atteint les limites de ce que l'on pouvait atteindre. Le SMIC aujourd'hui, en France, c'est 1302 euros net par mois.
qui peut prétendre vivre dignement avec 1302 euros net par mois? Vous avez soulevé une question très juste, que tout le monde a éludée. On ne peut pas prétendre augmenter le SMIC en claquant des doigts. Parce qu'il y a des commerçants, parce qu'il y a des artisans, parce qu'il y a des TPE pour qui cette augmentation du SMIC ne passera pas. C'est-à-dire que dans un certain nombre de cas, augmenter le SMIC bêtement, ça se traduit par des chômeurs et par des gens qui perdent leur travail. Ça veut dire qu'il faut ouvrir des négociations salariales avec les corps intermédiaires, avec les syndicats, avec le MEDEF aussi, évidemment, avec tous ceux qui sont parties prenantes, pour regarder quelle est la part de l'effort qui peut peser sur les entreprises et quelle est la part de l'effort que l'État voudra, à laquelle l'État voudra bien consentir. La redevance télé, je suis désolé, Madame Ginet, mais ça relève de l'aumône. Je ne dis pas qu'il ne faut pas supprimer la redevance télé. Aujourd'hui, on donne 138 euros pour un service public de l'audiovisuel dont on ne sait plus ce qu'il a de public. Donc je peux vous promettre que si je suis élu, je le voterai même dès demain. Mais ça n'est pas à la hauteur de l'enjeu, ça n'est pas à la hauteur des mesurettes de ce qui est attendu. Bon. Et c'est quoi la conséquence? Parce qu'il faut aller jusqu'au bout des choses. C'est quoi la conséquence d'un pays où 14 millions de personnes vivent avec moins de 1500 euros par mois? C'est qu'aujourd'hui, l'espérance de vie entre un ouvrier et un cadre, c'est 13 ans d'écart. Et ça ne cesse depuis plus de 10 ans de se creuser plus encore. C'est qu'aujourd'hui, ceux qui partent à la retraite à 62 ans, pour 25% des ouvriers, ils sont déjà morts à 62 ans. Donc la question, ce n'est pas seulement le pouvoir d'acheter, parce que sinon, on réduit nos concitoyens à de simples consommateurs. La question, c'est comment on les sort d'une précarité dans laquelle ils sont en train de glisser. Moi, je souhaite que, comme dans d'autres pays d'Europe, on puisse graver dans le marbre de la loi l'égalité salariale homme-femme. Je ne comprends pas, et je ne sais pas si encore dans ce pays, certaines personnes défendent qu'à travail égal, il puisse y avoir salaire inégal. Ça, je ne comprends pas. Ça n'existe pas, heureusement, dans la fonction publique. Je pense qu'il faut baisser la CSG pour les plus modestes. Vous savez qu'il y a trois tranches de CSG. Jusqu'à 11 000 euros de revenus fiscaux de référence, vous êtes exonéré de CSG. Et après, il y a un certain nombre de taux. Bon, à un peu plus d'11 000 euros de revenus annuels, on est pauvre. Il faut appeler un chat, et on paye de la CSG. Il y a des choses à activer là-dessus. La question des prix de l'énergie au sens très large. Vous avez évoqué, Madame Porquet, le Portugal et l'Espagne qui a fait baisser le prix de l'électricité, mais ils l'achètent, leur électricité. Nous la produisons, et nous vous avons l'électricité la moins chère d'Europe. Et je peux vous dire que les Espagnols et les Portugais seraient ravis d'avoir une électricité produite au même coût. Ceux qui n'arrivent pas à payer leur électricité, ils vous remercient, monsieur Lignac, surtout que vous avez voté pour Emmanuel Macron, hein, vous êtes gentil. J'ai eu la courtoisie et la patience de vous écouter. Néanmoins, dans l'électricité et pour le gaz, il y a aussi, en effet, 30% de taxes. C'est beaucoup moins que sur les carburants, mais il y a aussi 30% de taxes. Et on peut parfaitement imaginer des tarifs sociaux qui existent de manière extrêmement embryonnaire, mais qui permettraient aux plus modestes d'arriver à payer leurs factures de gaz et d'électricité. Et je pense notamment à celles et ceux qui habitent dans des passoires thermiques. Et enfin, pour terminer, parce que, encore une fois, c'est facile de parler de dépenses, il faut parler de recettes. S'il n'y a pas une grande réforme fiscale, et je terminerai par cela, s'il n'y a pas une grande réforme fiscale qui, d'abord, symboliquement, réintroduise l'ISF, ces 3,5 milliards d'euros qui ont disparu des caisses de l'État et qui n'y sont jamais revenus. Parce que la théorie du ruissellement, selon laquelle on va exonérer les plus riches et ensuite ils vont investir et ça va créer de l'emploi, s'est aperçu que c'était totalement faux. C'est pas la théorie du ruissellement à laquelle on a assisté, c'est la théorie de l'évaporation. Parce que ces 5 dernières années, les 5% des Français les plus pauvres se sont appauvris, les 5% de Français les plus riches se sont enrichis, et on constate qu'on a creusé les inégalités. Cette ISF doit être réintroduite, il faut revoir les tranches d'impôt sur le revenu, il faut supprimer un certain nombre de niches fiscales, pas toutes parce que certaines sont vertueuses, mais il y a 491 niches fiscales. Donc quand on parle, Madame Porquet, de dépenses publiques, on doit aussi parler de recettes publiques. J'avais envie de répondre. Oui, excusez-moi. Monsieur Solina, vous êtes gentil, mais vous avez appelé à voter Emmanuel Macron. D'accord? Donc, et d'ailleurs, qu'est-ce que vous proposez? Parce que là, pareil, là, ça fait 5 minutes que vous parlez. Je l'assume. Celle pour qui j'ai voté a fait 1,8. Je l'assume totalement. La courtoisie de me laisser parler, monsieur Solignac. Merci beaucoup. Vous nous parlez là depuis 5 minutes. Oui, il y a là. Oui, très bien. Mais qu'est-ce que vous proposez, en fait? Parce que vous êtes député sortant, vous, monsieur Solignac. Qu'est-ce que vous proposez? Je veux dire, j'ai pas entendu de proposition. Et vous parliez donc, nous faisons des propositions. Et donc, où sont les économies? Mais
Il y a eu, vous savez, une campagne présidentielle, monsieur Le Sonia, il n'y a pas si longtemps que ça. Et nous, les économies, on les trouve. Vous savez pourquoi ? Parce qu'on fait des choix politiques et on les assume, ces choix. On fait des choix notamment sur la fraude fiscale, sociale, sur l'immigration, sur ce qu'on donne net à l'Union européenne. Le rapport entre l'immigration et l'économie. Il y a bien, bah oui, 18 milliards d'économies, monsieur Solignac. C'est vrai que c'est pas vous qui allez dire le contraire, vous qui êtes pour une immigration massive. On l'a très bien vu lors que quand vous étiez notamment président du département, je sais que vous êtes... vous aimez ça. Voilà, écoutez, voilà. J'ai rien d'autre à dire si ce n'est que il fait des reproches alors qu'il fait lui-même la même chose, c'est-à-dire déballer des choses comme ça qui n'a ni queue ni tête sans pour autant faire une seule proposition. Merci, mais vous c'est nous les avez socialistes, considérablement éclairé, chère madame. J'aimerais bien aussi rebondir madame sur ce Plache. Qu'a dit monsieur Solignac, deux secondes. Effectivement, vous avez parlé de la baisse de la CSG, c'est quelque chose de très important, ça c'était pas prévu que ça dure aussi longtemps. La CSG était une taxe juste passagère. Vous confondez avec la CRDS qui était passagère, pas la CSG. La CRDS était pour rembourser la dette sociale, c'était passager. La CSG, c'est pour financer la sécurité sociale. Ça n'a rien de passager. Mais oui, en tout cas, ce qui est prévu pour Reconquête, avec Reconquête, c'est que nous passions la CSG de 9,5 à 2,5 pour les travailleurs et que pour les retraités, la CSG soit totalement supprimée. Vous avez aussi parlé du SMIC à 1500, vous aviez raison pour ce problème-là, cette problématique, parce que le SMIC à 1500 va mener à une inflation nouvelle et le prix de la vie va monter en même temps que le prix du SMIC, que le taux du SMIC. Donc la boucle. L'inflation salaire, vous voilà, voulez parler. Voilà, donc ça va. Merci. Et enfin, pour les recettes, je pense qu'avec les 64 milliards que nous avons réussi à trouver, par exemple la suppression de l'AME et de ce genre de choses, et la suppression du gaspillage, de la trop grande bureaucratie, on a prévu. Très bien. Madame Ginez, j'aimerais que vous répondiez un petit peu. Vous avez été citée à deux reprises par Céline Porquet et Hervé Solignac. Qu'avez-vous à dire, justement, pour vous défendre et défendre la majorité présidentielle ? Alors, pour la TVA à 0% pour les produits de première nécessité, ça représente, c'est très peu, en fait, puisque déjà, ce sont des produits qui sont avec une TVA très basse. Et donc, sur un panier de 500 euros, à peu près, ça représente 25 euros d'économie. Puis, pour rebondir sur cette exonération de la taxe de l'audiovisuel, c'était un impôt qui était injuste, puisqu'en fait, on payait 138 euros que l'on soit imposable ou non imposable. Et donc, en fait, c'est pour rééquilibrer aussi et puis apporter aux plus modestes une souplesse et un soulagement de 138 euros sur son budget. Sur votre profession de foi, Madame Ginez, j'ai lu que dans la petite case pouvoir d'achat, vous avez parlé tout à l'heure du véhicule électrique à moins de 100 euros par mois. Pensez-vous que ce soit faisable dans les mois, voire les années? Je pense que ça prendra plus de 5 ans avant d'équiper tout le parc automobile. Et est-ce que ces 100 euros, justement, pour certains Français dont M. Osseninac parlait tout à l'heure, très pauvres, pensez-vous que 100 euros, ils puissent mettre, alors que le 15 du mois, ils n'ont plus rien pour manger? En fait, combien coûte aussi une voiture à l'entretien, une voiture qui doit faire passer un contrôle technique et le prix de l'essence à la pompe. Donc, un plein est beaucoup moins élevé au niveau du tarif de l'électricité, bien sûr, qu'un plein qu'on doit faire avec du carburant. Donc oui, c'est possible. Et puis, ça serait vraiment une mesure qui est importante pour le gouvernement, même pour les foyers les plus modestes. Vous avez également parlé de la réhabilitation de 700 000 logements qui sont de véritables, M. Solignac le disait, passoires thermiques. Oui. Est-ce que vous pensez que ce soit suffisant comme mesure concrète et forte? Surtout, je pense qu'il faut envoyer, vous en tant que peut-être futur élu, à la France. Est-ce que vous pensez que ces deux mesures-là soient les plus fortes aujourd'hui concernant les Français?
Alors, c'est une mesure qui est déjà très importante, puisque rénover des logements permet quand même des économies aussi de chauffage. Donc, il y a des aides qui vont être faites dans ce sens-là. Ce sont des mesures, mais il y en aura d'autres, puisque c'est vraiment un des sujets prioritaires de ce gouvernement et qui, dès le mois de juillet, prendra à bras le corps aussi ce problème-là. Et l'indexation de l'inflation, habituellement, les retraites sont indexées une fois par an. Et cette année, au 1er juillet, les retraites seront indexées de 4% en fait, pour pallier cette inflation. Très bien. Vous avez quelque chose à ajouter sur ce thème, monsieur Valla? Prenez votre micro. Bon, c'est très intéressant, hein, ce débat. Mais je pense qu'il faut aller à l'essentiel. Et je partage évidemment un certain nombre de points de vue, mais pas tous, évidemment. Moi, aller habituer les gens à faire de la mendicité, c'est nul. Je pense qu'à certains moments, évidemment, on a besoin d'être assisté, d'être aidé. Mais ne prenons pas l'habitude de faire des chèques aux uns et aux autres. Essayons d'être à la hauteur, évidemment, de ce que souhaite par dignité chacun et chacun d'entre nous, chacune et chacun d'entre nous. Ça peut arriver à beaucoup de gens, hein, y compris des gens aisés qui peuvent se retrouver dans des situations. C'est vrai que même des classes moyennes peuvent se retrouver dans des situations dramatiques. Donc pour moi, si on est en mesure de soutenir le développement économique, les entreprises et le développement justement des savoir-faire, y compris parce qu'on parle de la France, mais en parlant un peu de l'Ardèche, s'il vous plaît. On a une industrie qui est un fleuron de notre activité économique dans ce département et notamment dans notre circonscription. Et tous ces gens, tous sans exception, recherchent des collaborateurs de tous les côtés. C'est ahurissant de constater que malheureusement, ils n'y arrivent pas et que parfois certains prennent des gens, les forment en interne pour arriver à compter sur un certain nombre d'entre eux. Donc ça commence là, le pouvoir d'achat. Si on est en mesure d'écouter et d'être en lien permanent avec nos chefs d'entreprise, nos acteurs économiques, les artisans, les commerçants, etc., on arrivera peut-être aussi à trouver une solution digne pour les gens qui malheureusement, alors je ne parle pas des retraités, je ne parle pas des personnes qui sont titulaires de situations, notamment des handicapés, mais il y a beaucoup de gens sur le marché du travail et parallèlement, les chefs d'entreprise n'arrivent pas à faire face à ces recrutements. Ça, c'est un point qui me tenait à cœur. Très bien, merci monsieur Valla. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, mesdames et messieurs, sur ce thème du pouvoir d'achat? En une phrase, pour appuyer sur ce qu'a dit monsieur Valla, effectivement, le mieux, c'est de traiter les causes au lieu des symptômes. Donc, c'est effectivement ce que vous venez de dire. Très bien, merci. Nous allons donc aborder le second thème de cette soirée, à savoir la santé, et plus précisément l'hôpital, les urgences, les médecins libéraux, la crise des vocations. En effet, après 2 ans de pandémie du Covid-19, de nombreuses manifestations de soignants, des démissions en cascade à l'hôpital public. La santé est également un thème incontournable pour ces candidats aux législatives et la question des déserts médicaux occupe une place importante. L'Ardèche est devenue un vrai désert médical. Il y a 3 médecins pour 1000 habitants, soit 2 fois moins que la moyenne nationale. 58% des médecins que nous avons en Ardèche ont plus de 55 ans et globalement, les départs en retraite ne sont pas remplacer. Alors, il y a également la crise des vocations. On pourrait parler également du numerus clausus. Trop de pression, trop de responsabilités, salaire trop bas, conditions de travail de plus en plus difficiles. Le monde médical, c'est l'urgence. Ils sont à l'agonie. Les urgences sont également devenues le lieu de la bobologie, faute de médecins. On a nos urgences aujourd'hui qui sont engorgées parfois juste pour une coupure de doigts ou un problème de migraine. Alors, il y a en effet en Ardèche, on a pu le voir, des opérations de drague, entre guillemets, envers des jeunes médecins organisés par la COSADAM, le collectif de défense de l'accès aux soins en Ardèche, qui comprend 40 médecins généralistes qui, dans le sud de l'Ardèche, invitent les internes à passer un week-end en Ardèche et montrer que l'Ardèche est un pays magnifique où l'on y vit bien et on peut également devenir soignant. Alors, est-ce que c'est la réponse aujourd'hui qu'on doit apporter?
Les urgences se plaignent actuellement, on voit sur les grands médias nationaux, la peur, évidemment, de la saison qui démarre. Les urgences sont à l'agonie. Quelle solution avez-vous pour eux ? Alors, c'est une très, très vaste question, effectivement, parce que le problème des hôpitaux de campagne et même urbains n'est pas d'aujourd'hui. Même avant la crise du Covid, il y avait déjà beaucoup, beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à soigner. Alors, j'ai eu la possibilité et le privilège de faire, pendant cette année, une étude et une enquête sur les conditions de vie du personnel soignant dans les hôpitaux de campagne. Donc j'en suis allée en voir beaucoup. J'ai passé des journées avec eux entières pour savoir comment ça se passait et pour comprendre vraiment comment on pourrait faire pour pallier tous ces manques, tous ces problèmes, notamment le fait de ne pas avoir de dialogue entre médecins soignants parce qu'ils n'ont pas le temps. Ils doivent prendre en charge trop de patients, donc ils n'ont pas le temps de dialoguer, et ce manque de dialogue peut aussi créer de gros problèmes. Je vais pas énumérer tous les problèmes tellement il y en a, mais plutôt dire ce qu'on a prévu, parce que c'est un peu pour ça qu'on est là. Tout d'abord, je pense que l'ARS est beaucoup trop bureaucrate aujourd'hui. On a voulu faire de la santé un marché, alors que c'est un droit. Et je pense que ces bureaucrates ne sont pas allés assez au centre des préoccupations. Et donc, avec Reconquête, on aimerait bien donner ça au préfet. Voilà. Ensuite, on a beaucoup d'autres choses. Par exemple, ce que je vous ai dit tout à l'heure sur les transports, le remboursement des transports pour le personnel soignant de 50% peut les aider déjà à vivre un peu mieux, parce que beaucoup de personnels soignants vivent loin des hôpitaux, sachant qu'il y en a très très peu en Ardèche. Et ensuite, une augmentation de 12% de leur salaire. C'est aussi pour ça que l'offre n'est pas alléchante aujourd'hui, c'est que les salaires sont beaucoup trop bas pour un travail aussi gigantesque. Il y en a énormément qui débordent totalement de leur temps de travail pour leur travail, en fait, pour leurs patients, parce qu'ils ne peuvent pas les abandonner comme ça. Tous les internes aujourd'hui travaillent beaucoup plus que ce qu'ils devraient et donc sont payés maximum 5 euros l'heure, ce qui est, voire pas du tout, en fonction de dans quels hôpitaux ils sont. Et ça, c'est inadmissible, je pense. Tout travail mérite salaire. Et ce travail est très compliqué, prend beaucoup de temps, demande déjà de grands effets psychologiques et en même temps très pratiques. Donc il faut vraiment que toute la personne soit prise en compte et c'est un travail très fatigant. Il y aura aussi, pendant mon mandat, 400 000 nouvelles places en EHPAD. Alors là, je parle au niveau de la France, hein, mais en Ardèche, il y a beaucoup plus de retraités qu'au niveau national en pourcentage. Et donc, on sait très bien qu'il va falloir se préoccuper de ces seniors, de ces retraités. On va aussi maintenir le plus possible les personnes âgées chez elles, parce que ça leur fait... les EHPAD sont une solution, d'accord, mais l'engorgement des EHPAD empêche les personnes âgées de pouvoir bien vivre, empêche d'ailleurs le personnel soignant de bien faire leur travail. Et le maintien des personnes âgées chez elles pourra être beaucoup... un plus grand bienfait. Ça fait un peu partie des soins palliatifs, dans le sens où ils sont plus heureux, ils sont plus apaisés pour leur vie, pour leur fin de vie. Ce que j'aimerais vous poser comme question, Marie-Elisabeth Flash, c'est comment faites-vous revenir ces soignants qui ont démissionné, parce qu'il y a des démissions en cascade, hein, pendant le Covid-19, ils ont subi quand même des tensions lourdes. Aujourd'hui, nous avons un manque de personnel soignant, que ce soit des aides-soignants, des infirmières, et des médecins. Il y a une crise de vocation aujourd'hui. Se dire le matin où je vais faire des études de médecine aujourd'hui, c'est plus la même chose qu'avant. Comment on leur donne envie de revenir au médical et d'aider justement et de remplir les hôpitaux de soignants? Alors déjà, pour le retour du personnel soignant, déjà personnel soignant qui ont démissionné, c'est le retour, l'abolition du pass vaccinal qui sera quand même très bénéfique pour les hôpitaux, parce que beaucoup ont démissionné à cause de ça, parce qu'ils ne voulaient pas se faire
vaccinés. Vous pensez que c'est le principal argument de, aujourd'hui, qu'on se trouve aujourd'hui en carence de... Non, il y a aussi l'histoire, okay. Effectivement, des salaires, du travail beaucoup trop énorme. Alors aussi, ça peut décourager certaines personnes d'avoir 10 ans d'études pour ça, mais là, on n'a pas le choix parce que c'est quand même une énorme responsabilité d'être médecin, donc on ne peut pas faire autrement. Mais par exemple, il y aura la réhabilitation du redoublement de la première année de médecine, ce qui a été aboli par Emmanuel Macron et qui décourage justement beaucoup de futurs médecins potentiels. Il y a aussi, on a beaucoup d'idées. En fait, je ne vais pas tout présenter parce qu'il y en a beaucoup trop. Mais en partie, le fait de proposer aux nouveaux médecins de faire un an à la campagne dès le début de leur travail. Invité ou obligé ? Alors, pour l'instant, invité, et s'il y a ça du succès, obligé. L'obligation, c'est quand même pas un mot très... On l'a dans la police, par exemple. Hein, on oblige certains policiers à aller 3 ans à Paris. Ne peut-on pas reproduire ce même système ? C'est une question que je vous pose. Ça leur permettrait déjà de prendre... Ils ont quand même plus de temps que dans les hôpitaux aux urgences en ville, par exemple, parce que la plupart des médecins, malheureusement, aujourd'hui, restent en ville après leurs études, parce que soit ils sont implantés, soit c'est plus facile pour eux de vivre en ville, je ne sais pas. Mais... le fait de leur donner un an, ce privilège-là, de leur donner un an à la campagne, ça leur permet déjà de se poser un peu plus par rapport à ces... c'est de la médecine générale hein, dont je parle, par rapport à ces urgences totalement surbookées, etc. Et de prendre du temps humainement pour chaque patient. Et ça peut leur donner... je connais beaucoup de nouveaux médecins, justement, qui... On fait un stage dans la campagne et ça les a totalement encouragés et ça leur a donné envie de servir dans la ruralité. Merci. Séverine Ginès, c'est un gros dossier pour le gouvernement, le nouveau gouvernement, même si ça ne fait pas partie des 3 priorités. Ça reste néanmoins la santé. Nous serons tous un jour où nous avons dans notre entourage quelqu'un qui est concerné. Pour aller, alors en France, nous sommes bien soignés, il faut le reconnaître, il faut quand même le dire. Mais aujourd'hui, il y a cette carence qui est bien réelle. Les médecins sont en souffrance, le personnel soignant. Marie-Elisabeth Flage parlait de l'ARS. Est-ce que les médecins aujourd'hui n'ont pas trop de travail administratif au détriment de leur métier de base, qui est celui de soigner ? Ce sont des questions que j'ai envie de vous poser. Sur la santé, le vrai problème, c'est que nous sortons de décennies de mauvaise gestion. Nous avons permis de remettre un système à flot, mais de ne pas régler tous les problèmes cumulés au cours de ces décennies. Là aussi, il va falloir amplifier les efforts. Pour un bilan, on peut dire ce que nous avons fait. Nous avons mis en place, par exemple, le 100% santé pour 10 millions de Français. Ils ont pu bénéficier de lunettes, de prothèses dentaires et de prothèses auditives, pris en charge par la Sécurité sociale. Il y a aussi la valorisation des soignants. Même si ce n'est pas suffisant, il y a quand même eu une valorisation de 183 euros net de plus par mois pour 2 millions de soignants. Les sages-femmes ont pu bénéficier de 500 euros aussi de revalorisation, mais ça ne suffit pas, bien sûr. Ce que nous allons faire et continuer de faire, le numerus clausus n'est pas une solution en soi, puisque ça permet bien évidemment d'apporter plus d'étudiants sur le marché du travail, mais il faudrait aussi former peut-être plus de médecins, leur permettre d'exercer en fait dans la ruralité. Parce qu'à partir du moment où un médecin vient et exerce, enfin un interne vient et exerce pendant un certain temps dans la ruralité, il se rend compte que son métier peut l'exercer. Bien sûr, et favoriser tous ces médecins en leur proposant, comme c'est fait dans certaines maisons de santé, du parrainage avec certains médecins, leur permettre aussi de trouver aussi une qualité de vie. Parce que bien souvent, ce qui empêche un médecin de s'installer, c'est peut-être aussi un emploi pour son conjoint. Et donc voilà, c'est favoriser et développer aussi nos territoires. Ouais, mais par contre, je pense quand même que beaucoup de maires de villes ou de villages en Ardèche, on l'a vu, d'ailleurs, c'est un des éléments
qu'a abordé Hervé Solignac dans une lettre au président de la République sur la santé, où justement il crie un peu sa détresse, Hervé Solignac, en disant « marre de voir au rond-point telle mairie recherche un médecin ». Moi je le vois dans ma circonscription où on a fait des ponts d'or aux médecins pour qu'ils viennent s'installer. On leur offre 2 ans de cabinet, on leur offre des tables, on les met dans les meilleures conditions. Et ce n'est pas pour ça qu'on se retrouve avec beaucoup plus de médecins en Ardèche. Olivier Amran veut s'inspirer de l'Aveyron, qui a tendance à développer des choses intéressantes, justement, dans cette opération un peu drague. Mais est-ce que ça suffit véritablement? Et là, on parle de médecins traitants. On parle de médecins qui sont... Il y en a beaucoup qui sont d'ailleurs en retraite et qui continuent d'exercer. Ou aujourd'hui, alors est-ce que ce n'est pas la réponse? Ce sont les maisons médicales où on va salarier aujourd'hui un médecin. Est-ce que ce n'est pas la solution? Est-ce qu'il y a... Voilà. Il y a de ça, bien sûr. Quand on part d'un projet avec un médecin pour construire une maison de santé, qu'on lui offre des locaux, une qualité de vie, qu'on peut proposer à des internes de venir et qu'ils aient un logement pour pouvoir s'installer. Et bien sûr que tout ça favorise et mutualiser aussi les secrétaires. Les loyers sont moins élevés. On peut aussi proposer à certains médecins de se décharger de certaines contraintes en ayant un infirmier qui pourrait l'assister. Enfin, on peut favoriser tout de même beaucoup les médecins. Et ça sera l'objectif de toute façon. Et on ne peut pas passer par une autre alternative que de connaître le territoire. Et à partir du moment où un médecin connaît le territoire, il sera beaucoup plus à même de rester dans ce territoire-là. Ça a été prouvé lors de certains médecins, voilà, qui sont venus et qui ont pu rester. Merci, Madame Ginez. Michel Valla, en tant que maire, vous êtes confronté justement à ce que je disais tout à l'heure. Comment vous le vivez, vous, en tant que maire, et quelle solution, en tant que futur élu, peut-être, en tout cas en tant que candidat, que proposez-vous concrètement? Alors, moi, je suis doublement concerté parce que, d'abord, en tant que maire, on est en première ligne sur ces sujets parce qu'on est sollicité au quotidien par des patients qui n'arrivent plus à trouver de médecin de famille, par des patients qui ont du mal à se faire entendre, par des patients qui attendent parfois des heures, effectivement, dans certains services, et en tant que président du conseil de surveillance de l'hôpital de Privas. Et pour moi, la santé et l'offre de soins seront ma priorité face à cette désertification médicale subie qu'il est urgent d'enrayer. C'est une obsession chez nous parce que vous avez cité des maires qui effectivement cherchent à cor et à cri des médecins et on peut les comprendre. Mais au sein du conseil de surveillance, il y a plusieurs personnes ici qui siègent, notamment Hervé Solignac. Là-dessus, on est en phase. On converge complètement à chaque conseil de surveillance parce que c'est une question d'urgence aussi pour notre territoire. Mais la problématique majeure, c'est qu'on a des effets pervers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des maires ou des présidents de conseils départementaux qui vont aller débusquer des médecins qui existent dans le département. Et ça, c'est malsain, parce que, bon, aller débusquer un médecin à Paris ou dans les grandes villes, ça m'est arrivé, puisque j'ai débusqué 2 médecins récemment. Un, excusez-moi, en Haute-Savoie, qui va arriver le mois prochain, un médecin urgentiste. Un autre à Saint-Étienne, au CHU. Parce qu'on a un peu moins de complexe d'aller le piquer que d'aller le piquer dans la commune voisine. Mais cette problématique est une problématique vraiment de fond. Est-ce que c'est normal que ce soit des élus locaux qui n'ont pas la compétence santé qui soient en première ligne aussi pour se préoccuper de devenir de l'offre de soins de sa ville, de sa collectivité, de son village? Je vous répète, on a autour de nous énormément de maires qui nous alertent en disant « Mon médecin va partir à la retraite dans 1 an, dans 2 ans ou dans 3 ans. » Personne ne veut remplacer un médecin qui travaille tout seul. Aujourd'hui, les médecins veulent travailler en groupe, c'est-à-dire maison médicale, maison ou maison de santé pluriprofessionnelle ou cabinet de groupe au moins.
de façon à ce qu'ils puissent prendre un peu de repos de temps en temps, de façon à ce qu'ils puissent finir à des heures décentes le samedi ou même le soir tout simplement. On peut comprendre cette situation chez les jeunes médecins. Le résultat, c'est que si on ne s'organise pas, nous, à l'échelle locale, comment voulez-vous que l'État puisse résoudre nos problèmes ? Et ça, c'est un sujet qu'on a sur bien d'autres thématiques. Souvent, on résout à l'échelle locale ce qui n'a pas été résolu à l'échelle nationale. Et croyez bien, il n'y a pas un maire qui me contredira là-dessus, parce que la crise Covid, par exemple, qui concerne quand même bien, bel et bien la problématique de la santé et de l'offre de soins. On a eu 84 protocoles Covid qui nous ont été imposés par l'État sans discussion possible. Heureusement, on a parfois des préfets, c'est le cas en Ardèche, qui nous a écoutés au quotidien pour voir comment on pouvait arrondir des angles et rendre acceptables des mesures de l'État, des mesures du ministère de la Santé ou de l'ARS, qui était insupportable. Souvenez-vous, au début de la crise, il y a eu des choses qui ont été quand même choquantes. On autorisait des couples à vivre ensemble, à dormir ensemble, mais on ne les autorisait pas à circuler dans la même voiture. On autorisait des couples à vivre ensemble, mais pas à se promener ensemble sur les chemins de randonnée à moins de 3 mètres. Non, mais vous comprenez bien que quand on est rationnel et quand on est élu local et qu'on est confronté à ces problématiques au quotidien, on doit s'interroger. Bref, l'offre de soins et l'offre hospitalière, c'est quelque chose de prioritaire. Et croyez bien, on connaît bien la situation. Et évidemment, on est prêt à affronter ces situations au quotidien. Plus de 21 000 Ardéchois assurés n'ont pas de médecin traitant aujourd'hui. 21 000. Bon, tout à l'heure, excusez-moi, je vous reprends un petit peu. Bon, sur les chiffres, je suis incapable de vous répondre. Je pense que mes chiffres sont les bons. Mais tout à l'heure, vous avez parlé des... Confirmé. Vous avez parlé tout à l'heure des services d'urgence à l'agonie. Oui, pas partout. Excusez-moi, il y a des services d'urgence qui fonctionnent relativement bien parce qu'il y a des médecins urgentistes, il y a des médecins qui s'organisent, il y a des personnels soignants, on l'a vu pendant la période de pandémie, qui se sont coupés en quatre pour arriver à trouver des solutions, qui se sont sacrifiés, qui ont payé très cher la note, parce qu'au final, il y a eu des conséquences aussi pour leur santé, pour leur famille, etc., etc. De ce côté-là, effectivement, on peut se préoccuper de ces milliers de Français qui n'arrivent pas à trouver, milliers d'Ardéchois aussi, qui n'arrivent plus à trouver de médecin de famille. Donc, il n'y a pas que... Vous cherchez aujourd'hui un ophtalmologiste, c'est 6 mois pour avoir un rendez-vous. Vous cherchez un dermatologue, mais c'est quasiment ça. Enfin, en tout cas, moi, je suis dans la troisième circonscription. C'est pas partout non plus. Mais moi, en même temps, une semaine, un je vous le ça. Trouve. Ah ben, mais Monsieur Valla, je viendrai vous voir alors pour oui, un rendez-vous. Absolument. Non, mais je pense qu'il y a beaucoup aujourd'hui d'Ardéchois, de Français, qui aujourd'hui n'ont pas des rendez-vous aussi rapides que vous pouvez sans doute l'avoir, et ça, j'en suis certain. C'est un constat. Oui. On est d'accord. C'est un constat. Bon. Madame Porquet, Céline. Oui. Dites-nous un petit peu ce que vous pensez justement de ce qu'il introduit. La santé, c'est un vaste sujet. Hein. On assiste à un effondrement de l'hôpital public, à un assèchement de notre ruralité en matière d'accès aux soins. Il y a des tensions partout. Ça a été dit il y a quelques jours. 120 hôpitaux ont déjà réduit leurs services d'urgence. D'autres s'apprêtent à le faire. Et en Drôme-Ardèche, c'est extrêmement tendu. Alors, il faut agir. Donc, quand il faut agir, il faut déjà arrêter de supprimer des lits. Madame Ginès, 23 000 depuis 2017, 7 500 pendant la crise. Il faut agir, donc vous souhaitez mettre en place des gardes obligatoires pour les médecins urgentistes pour pallier la pénurie de personnel. Moi, je pense que dans un premier temps, il faudrait déjà réintégrer les 15 000 soignants que vous avez suspendus sans salaire depuis octobre 2021. Mesure injuste et antisociale, tout ça parce qu'ils ne voulaient pas se faire vacciner. Alors qu'on sait très bien, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, que ça n'empêche pas la transmission du virus et qu'un test PCR aurait suffi. Nous nous battrons demain à l'Assemblée nationale pour réintégrer ces soignants et pour que l'intégralité des salaires qui n'ont pas touché leur soit dans l'intégralité versée. Pendant cette campagne présidentielle, nous avons porté une grande loi santé de 20 milliards, 10 milliards... pour la formation, pour l'embauche, pour la revalorisation des salaires,
Vous savez que les infirmières, malgré le Ségur, sont toujours payées 10% en dessous de la moyenne européenne. Donc 10 milliards pour l'investissement dans nos structures hospitalières, mais aussi dans les petites structures, afin de les équiper pour les urgences et pour répondre aux besoins de nos territoires ruraux. De manière générale, il faut repenser le fonctionnement de l'hôpital public. Nous souhaitons qu'il y ait une meilleure coordination avec le privé. Nous souhaitons également une direction partagée dans toutes les structures de santé. À l'heure actuelle, il n'y a que des administratifs. C'est-à-dire que le financier, le budgétaire, prend le pas, en fait, sur la santé, sur la politique de santé qui est menée dans les structures. Nous souhaitons que cette direction soit partagée, c'est-à-dire qu'il y ait un administratif et un médecin, afin de garantir une qualité de soins et aussi et surtout un bon vivre du personnel soignant. Monsieur Solignac, je ne peux pas passer ce sujet sans revenir sur les hôpitaux de Bourg-Saint-Andiol et de Viviers. Vous savez, comme moi, qui traverse le personnel soignant traverse des moments plus que difficiles. Il y a des grèves de la faim, tentatives de suicide. Ils sont malmenés, surmenés par la surcharge de travail. Il y a même eu des témoignages qui ont dit que ils étaient dans l'incapacité de fournir des qualités, une qualité de soins. Donc voilà, je tenais à le souligner parce que ça fait des mois et des mois qu'ils tirent la sonnette d'alarme sans que rien ne soit fait. Ensuite, nous souhaitons que... vous savez que l'aménagement du territoire est une compétence de la région. Nous, pendant la campagne présidentielle, nous avions émis le souhait que cet aménagement du territoire revienne à la main de l'État, revienne une compétence de l'État. Pourquoi ? Parce que nous souhaitons rompre avec cette politique de métropolisation qui consiste à centraliser toutes les forces vives, toute l'énergie, toute l'économie dans les grandes villes et métropoles. Nous souhaitons rompre avec cette politique-là. Et donc le but est de redynamiser nos territoires ruraux, notamment par des incitations fiscales, financières, pour y implanter des entreprises et des médecins et des spécialistes, comme vous le disiez tout à l'heure. Monsieur Valentin, je vous remercie. Monsieur Solignac, j'ai lu la lettre que vous avez envoyée au président de la République. Vous disiez à un moment donné dans cette lettre avoir honte quand une grand-mère vous écrit qu'elle renonce à chercher un médecin traitant, faute d'en trouver. Et cette personne, voilà. C'est une réalité. Voilà. Et qu'est-ce que vous avez envie, justement, de leur dire à toutes ces grand-mères, tous ces grands-pères, tous ces administrés, tous ces assurés qui, aujourd'hui, vous disiez un peu plus, je disais tout à l'heure, un peu plus de 21 000 en Ardèche, ce qui est considérable. Vous avez bien lu mes documents. Ça fait trois sujets où vous ne citez que les chiffres de mes documents. Écoutez, j'en serais ravi. J'ai cherché de votre référence. Contre-information à l'information que vous avez donnée, mais en tout cas, je m'en suis nourri, bien évidemment, pour étayer. Vous pouvez. Voilà. Qu'est-ce que vous avez envie de répondre justement à ces grands-mères et ces grands-mères, ces papis et ces mamies qui ont besoin, qui plus est, d'être aujourd'hui accompagnés, soignés? Et c'est important, la santé, quand on arrive à un âge, qui plus est, quand on est âgé, c'est encore plus important. Et voilà. Donc, D'abord, ce que j'ai envie de dire, c'est que ces personnes-là ont le sentiment, et le juste sentiment, de vivre une régression sociale sans précédent. Parce que ces personnes âgées qui m'écrivent, et c'est une réalité, les courriers, je les ai, et qui me disent, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé 20 cabinets médicaux, j'ai eu 20 secrétaires médicales qui m'ont dit que le médecin ne prenait plus personne, sont dans une forme de désespoir parce qu'elles ont connu, comme nous tous ici, une époque où trouver un médecin, ce n'était pas le parcours du combattant. Ça l'est devenu et j'ai donc, et j'imagine que les élus de proximité qui sont là, enfin, tous ne sont pas de proximité, mais certains le sont, ont été confrontés à des administrés qui ne parviennent pas à trouver un médecin traitant, ce qui est complètement désespérant. J'en ai vu même qui m'ont dit qu'ils y renonçaient. Alors la première chose que je voudrais rappeler, c'est que malheureusement, nous ne sommes pas seuls. Il y a 9 millions de Français qui vivent dans un désert médical. Il y a quelques années, c'était propre à la ruralité. Ça ne l'est plus du tout. Parce que vous avez même des arrondissements de Paris où il y a plus de médecins qui partent à la retraite que ceux qui s'installent, premièrement. Deuxièmement, vous l'avez dit, il y a 21 000 Ardéchois qui sont sans médecins au moment où on se parle. Ce sont les chiffres de la Caisse primaire d'assurance maladie. Et nous allons devoir, parce que je pense qu'il faut aussi dire la vérité, continuer à gérer la pénurie pendant un certain temps, parce que contrairement à ce que dit le gouvernement, la suppression du numerus clausus ne va pas entraîner la production, si je peux me permettre d'utiliser cette expression, de médecins nouveaux, pour une raison très simple, c'est qu'il n'y a pas de financements qui ont été accordés aux facultés de médecine
pour prendre des étudiants supplémentaires. En 2021, Madame Ginet, je vous donne le chiffre, 160 places supplémentaires en France, 160 places supplémentaires en France, ça fait 1,6 médecins par département de plus. On va avoir un peu du mal à gérer le problème parce que sur les 5 dernières années, ce pays a perdu 2840 médecins généralistes quand dans le même temps, nous avons gagné 600 000 habitants. Donc on va devoir gérer de toute façon une forme de pénurie et comme le rappelait à juste titre Michel Vallat, avec le risque qu'il y a de voir des communes se faire concurrence, c'est-à-dire créer de très belles maisons de santé, extrêmement attractives, et donc vous allez avoir des médecins qui vont partir de la commune A pour aller vers la commune B parce que la maison de santé elle est plus jolie et que le prix au mètre carré il est plus bas. Formidable, on aura tout gagné. On aura déshabillé Pierre pour habiller Paul, ce qui est absolument, absolument stupide. Alors qu'est-ce qu'on doit faire ? Moi, je suis convaincu et je suis désolé pour les médecins parce que je sais qu'ils y sont attachés. Depuis 1910, il y a en France ce qu'on appelle la liberté d'installation pour les médecins. Il va falloir y revenir dessus. Ça va foutre tous les médecins dans la rue, mais il faut que le président de la République ait le courage de cramer un ministre de la Santé sur ce sujet-là. Voilà. Je le dis de manière un peu brutale, mais c'est comme ça que la question se pose. Et j'avais déposé deux propositions de loi sur ce que j'avais appelé le conventionnement sélectif. C'est-à-dire que j'avais dit, il y a certains secteurs, certaines régions françaises où il y a suffisamment de médecins, et donc ceux qui vont s'y installer, on ne les conventionne pas à la Sécu. Et par ailleurs, toutes les zones qui constituent des déserts médicaux, évidemment, ils s'installent là où ils veulent et ils seront conventionnés à la Sécurité sociale. Deuxièmement, il faut s'appuyer de manière plus efficace sur les infirmières en pratique avancée qui peuvent se rendre de manière tout à fait sécurisée, en capacité d'accomplir des gestes que les médecins n'ont pas forcément à faire. Ensuite, il y a la question de la rémunération. La vraie reconnaissance d'un travail, c'est quand même le chiffre qu'on a en bas à droite de la feuille A4 qu'on reçoit tous les mois et qui s'appelle une feuille de salaire. Il y a eu le Ségur de la santé qui est une bonne chose naturellement, 183 euros de plus pour le régime indiciaire. Mais si on veut accéder au montant moyen des salaires dans l'Union européenne, il faudrait 300 euros. Donc il y a encore des marges de progression parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, malgré des rémunérations qui peuvent être intéressantes dans des territoires ruraux, j'étais récemment avec un directeur d'une maison de retraite du côté de Saint-Pierre-Ville que Michel Vallat connaît bien, qui proposait des salaires d'aide-soignante à 1600 euros net débutante. On ne vit pas toute sa vie avec 1600 euros net, mais pour une jeune fille qui a peu de qualifications, voire pas de qualifications, ou pour un jeune garçon, parce qu'on peut être aide-soignant, c'est un salaire relativement intéressant, a priori. Eh bien, ça ne suffit plus, ou en tout cas, le montant n'est pas suffisant. Et puis enfin, dernier élément pour essayer de répondre précisément à votre question et pas tourner autour du pot sur ce qu'il faut faire. Moi, je crois qu'il faut sortir du modèle de l'hôpital entreprise. Aujourd'hui, le modèle français, avec ce qu'on appelle la tarification à l'acte, c'est un modèle de l'hôpital entreprise, c'est-à-dire que, très concrètement, le pilotage d'un hôpital public se fait par des indicateurs budgétaires. Et nous proposons qu'il y ait des objectifs de santé publique, c'est-à-dire qu'on soit en capacité de mesurer la qualité du service rendu en termes de soins pour les usagers et qu'on ne soit pas seulement préoccupé par le nombre de lits occupés et par la nécessité de très vite les libérer pour faire rentrer à nouveau des personnes qui vont contribuer à faire des recettes dans les caisses de l'hôpital. Pour terminer, je voudrais rassurer Madame Porquet sur l'hôpital de Bourg-Saint-Andéol-Viviers, puisque j'ai rencontré les personnels assez longuement et que j'ai également pris la tâche pour la seconde fois de l'agence régionale de santé que j'ai alerté sur un certain nombre de remontées que je considère effectivement comme étant préoccupantes. Merci Monsieur Solignac. Madame Ginez, j'ai envie que vous répondiez à ce que soulevait Monsieur Solignac sur le modèle de l'hôpital entreprise. Qu'est-ce que vous avez envie de dire puisque vous êtes au gouvernement depuis 5 ans, vous réattaquez un deuxième quinquennat. Qu'est-ce que vous avez à répondre? C'est un sujet qui est important et c'est un sujet qui est en discussion. On est en pleine refondation de l'hôpital. Le sujet des budgets ne date pas d'il y a 5 ans, c'est bien plus vieux que ça. Donc c'est un sujet qui ne doit pas laisser sur le côté et ça, certainement pas, le gouvernement ne laissera pas de côté ce genre de discussion, bien sûr.
Merci. Excusez-moi, mais oui. Franchement, Madame Ginès, je suis désolée. Hein. Vous êtes quand même la représentante de la majorité parlementaire, la majorité gouvernementale. Vous n'apportez aucune réponse, que ce soit en matière de pouvoir d'achat ou de santé, sur l'hôpital public et sur justement ce qu'a relevé M. Valentin, cette direction administrative qui prend le pas avec une vision budgétaire, financière, qui prend le pas sur la qualité de soins rendus et sur le bien-vivre du personnel soignant. Vous bottez en touche. Vous vous rendez compte un peu ? Incroyable. Moi, je suis effarée. Madame Ginès, quelque chose à ajouter à ce que vient de dire Madame Porquet ? Non, mais si elle veut, bien sûr, que je botte en touche, si elle a l'impression. Mais c'est un sujet quand même qui est très important. Le débattre comme ça, bien sûr que je ne peux pas vous apporter tous les éléments. Bien évidemment, un petit peu. La crise des vocations également, puisqu'on en parlait, même avec 1600 euros, vous disiez, ce n'était pas suffisant pour avoir des élèves qui veulent se former au métier d'aide-soignant. Comment les faire revenir ? Je posais la question tout à l'heure à Marie-Elisabeth Flash, mais comment aujourd'hui les faire revenir dans les instituts de formation en soins infirmiers aujourd'hui se vident ? On a de moins en moins d'infirmières qui veulent faire ce métier parce que trop de responsabilités. C'est bien de vouloir soulager aujourd'hui les médecins, mais c'est au détriment de soignants qui n'ont pas les formations spécifiques. Combien d'infirmières en hôpital aujourd'hui sont obligées de faire des actes médicaux qui logiquement sont dispensés par les médecins ? Ils y voient une dangerosité avec toutes les conséquences qu'on connaît aujourd'hui. Même si je dis qu'en France, nous sommes globalement bien soignés par rapport à plein d'autres pays dans le monde. Hein, gardons aussi cela en tête, hein, voyons aussi le côté positif. Mais on court sans doute à la catastrophe et il me semble que c'est à vous, en tant que futur élu, à proposer dans l'hémicycle à l'Assemblée nationale des lois concrètes dans quelques semaines. Ce qui est bien avec vous, c'est que vous faites les réponses dans vos questions. Mais en partie. Un peu. C'est très intéressant. Est-ce que vous avez évoqué un élément de réponse ? Aujourd'hui, ce qui rend en partie, ce n'est pas la seule explication, dissuasive l'attractivité pour la fonction de soignant, ce sont précisément les conditions de travail. Et les aides-soignants ou les infirmières que j'ai vues quitter leur métier, c'est parce qu'elles ne supportaient plus d'avoir des horaires complètement aléatoires, c'est parce qu'elles ne supportaient plus d'avoir parfois des périodes de 7, 8 jours, voire plus, au mépris d'ailleurs des lois du travail, sans pause et sans repos. Et donc, en réalité, là, c'est pour ça que la question qui est posée à Mme Ginet est effectivement très complexe. C'est que ça n'est qu'une question de moyens. Ce n'est pas seulement une question d'organisation. C'est aussi notre capacité et notre volonté politique commune à vouloir dire que la santé publique doit redevenir une priorité et ça a un coût. Ça a un coût extrêmement élevé pour le pays. Ça n'est pas le choix d'ailleurs des gouvernements parce que les hôpitaux locaux sont exsangues. Parce qu'aujourd'hui, dans les hôpitaux locaux, on a des conseils de surveillance comme dans les banques Rothschild. Michel Vallard, président du conseil de surveillance de l'hôpital de Privas, il le sait mieux que quiconque. Et ce n'est pas te faire injure, Michel, que de dire que le pouvoir d'un président de conseil de surveillance, il est dérisoire. Alors, le président du conseil de surveillance, il se prend les coups parce qu'on se tourne vers lui et il n'a pas les leviers pour y répondre. On a connu une période où il y avait des conseils d'administration, ce n'était pas tout à fait la même chose. Et il y avait une implication des élus qui était beaucoup plus forte. Aujourd'hui, les élus sont des faire-valoir dans des hôpitaux publics qui fonctionnent comme des entreprises avec des indicateurs budgétaires. Voilà. Et donc, il y a à revoir un modèle, mais ça a un coût. Et ça, ce sont des choses qu'on discute chaque année à l'Assemblée nationale dans le cadre du projet de loi de finances de la Sécurité sociale. Et jusqu'à présent, à chaque fois qu'on a essayé de voter des moyens supplémentaires pour l'hôpital, pour la santé mentale, parce qu'on n'en a pas parlé, on est ici à Privas, on aurait pu parler de la santé mentale, c'est le parent pauvre des politiques de santé. C'est-à-dire que les budgets de la psychiatrie et de la santé mentale augmentent deux fois moins vite que les budgets de la santé tout court, avec des attentes extrêmement fortes et là aussi des difficultés à trouver des psychiatres et des spécialistes. Merci. Est-ce que vous voulez, Monsieur Vallat ? Je vous en prie. Oui, c'est un sujet sur lequel je peux témoigner en tant que maire et président du conseil de surveillance, c'est évident. Mais Hervé a raison. Depuis la disparition des conseils d'administration, les conseils de surveillance ne sont que des chambres d'enregistrement. C'est-à-dire, là encore, cette verticalité qui nous arrive
de l'ARS, comme du ministère de la Santé, évidemment, on est obligé de l'appliquer. Et évidemment, on est des faire-valoir. C'est-à-dire qu'il faut déployer 10 fois plus d'énergie pour arriver à se faire entendre et peut-être à trouver des solutions, parce qu'on en trouve, hein, notamment dans les centres hospitaliers à taille humaine. Il est évident que dans un CHU ou dans un grand centre, même comme Valence, c'est infiniment plus difficile. Mais à Privas, à Aubenas, à Annonay, je pense qu'on a des établissements à taille humaine sur lesquels... Alors, un mot sur lequel, effectivement, vous avez évoqué la crise des vocations, notamment... On a l'IFPS, hein, l'Institut français des professions de santé, l'école d'infirmières, en quelque sorte, qui également forme au métier d'aide-soignant, d'ambulancier, d'aide médico-psycho-pédagogique, je crois que c'est ça, et les infirmières. On a toujours autant de demandes, chaque année. On n'a pas de problème de vocation. C'est quand on entre en fonctionnement, c'est-à-dire en expérience pratique, qu'on commence à se rendre compte à quel point on malmène ces personnels et à quel point, parfois, les crises de vocation arrivent là, en cours de route. Et c'est dommageable parce qu'il y a des gens qui auraient souhaité, évidemment, faire des grands parcours professionnels au sein d'hôpitaux ou en libéral, mais souvent sont interrompus par l'impossibilité qu'ils ont de faire face. En tout cas, messieurs, dames, si vous êtes élus, vous aurez... beaucoup de travail dans l'hémicycle d'ici quelques semaines concernant la santé. Nous avons à peu près, il y a Madame Ginès, vous êtes un peu en dessous, vous avez à peu près 5 minutes, 2-3 minutes même, de temps de parole en moins sur certains candidats. Le candidat qui a parlé le plus, c'est Hervé Solignac. Ensuite, nous avons Monsieur Valla, Elisabeth Flash, Céline Porquet. Et vous êtes à 10 minutes de temps de parole. Donc, on essaiera de réguler ça. Troisième thème qu'on va aborder, parce que l'heure tourne et il est déjà 21h37, c'est la sécurité. Alors, selon des chiffres ardéchois, je me suis attelé à ces chiffres, on pourrait dire que les chiffres sur la sécurité, la délinquance pour 2021, eh bien, il y a deux tendances, a priori, qui s'inversent, car nous avons, en zone gendarmerie, moins 13% de baisse concernant les atteintes aux biens. Et nous avons, alors des cambriolages également moins fréquents en Ardèche. Par contre, nous avons les violences intrafamiliales où les plaintes sont en hausse. J'aimerais que vous parliez de sécurité dans un département où l'on pourrait se dire plus protégé que dans des grandes métropoles. L'Ardèche, ça évoque quoi pour vous, la sécurité ? Alors, je vais aller assez vite, je pense, parce qu'on n'a plus beaucoup le temps avec les deux thèmes. Prenez votre temps quand même. Effectivement, avec Reconquête, il y a le sujet de l'immigration, pas qu'avec Reconquête, avec le RN aussi. Alors, on ne parle pas d'immigration, on parle de sécurité. Voilà, je tiens juste à dire que je suis sûre qu'il y en a qui s'attendent parce qu'on parle beaucoup d'immigration. Il n'y a pas de lien. Voilà. Il y a déjà 100 000 places de prison. Qu'en France, on voudrait mettre en place, qu'on voudrait ouvrir. Donc ouvrir d'autres centres de détention. Voilà. Par exemple, justement, pour les violences intraconjugales. Alors, dans cette histoire aussi, on aimerait bien mettre en place quelque chose pour, justement, permettre aux enfants d'être à l'abri de la pornographie. Parce que l'année dernière, j'ai fait une enquête dans mon école, j'étais primaire, collège. Les enfants de plus de 4 ans avaient pratiquement tous vu de la pornographie. J'ai vu au collège aussi. Forcément, il y avait 100% de vision de pornographie à ce moment-là. On a aussi interrogé sur les violences intraconjugales. On a mené une enquête sur ceux justement qui étaient en prison à cause de cela. On a fait venir des psychologues pour ça, pour comprendre pourquoi, d'où venaient en fait ces violences, d'où venaient ces problèmes familiaux et parfois sexuels. Et c'est en partie cause de la pornographie qui a été regardée beaucoup, beaucoup trop tôt. Donc on aimerait mettre en place justement un moyen de donner aux parents déjà la formation pour dire attention, personne n'est à l'abri de cette pornographie, même tout petit à 4 ans, et parce qu'ils ne s'en rendent pas compte.
Pensez-vous pas déjà qu'il y a suffisamment dans les grands médias, on en parle, la cybercriminalité, la pédopornographie, où on sait que les enfants, après, est-ce que ce n'est pas qu'un problème d'éducation, c'est-à-dire un problème d'éducation parentale? C'est aussi aux parents, et est-ce que c'est à l'État d'imposer, ou est-ce que ce n'est pas justement de redonner plus de sens aux parents sur leurs responsabilités dans l'éducation qu'ils veulent donner à leurs enfants? Je suis tout à fait d'accord, d'où justement des week-ends de formation pour les parents, pour les mettre en garde, pour leur apprendre en fait que personne n'est à l'abri. Je suis bien d'accord à ce sujet-là. C'est aux parents de prendre leurs responsabilités, mais aujourd'hui, l'État enlève cette responsabilité aux parents, notamment en envoyant les enfants à 2 ans à l'école. Les parents aussi sont très pris par leur travail, du coup, forcément, ils ont le prétexte d'avoir moins le temps. Et ça, ils sont plus au travail parce que le pouvoir d'achat est moindre, et c'est toujours un cercle vicieux, évidemment. Y a aussi on va créer aussi une force nationale de réseaux de trafic de drogue, enfin pour anéantir les réseaux de trafic de drogue, qui est aussi un fléau partout, pas seulement en ville, mais en Ardèche aussi. Très bien. Vous pensez qu'il n'y a pas suffisamment de forces de l'ordre dans notre département, dans les villages? Manque peut-être des gendarmes dans les zones rurales ou des policiers dans les zones urbaines? Tout à fait. Et pourquoi? C'est toujours à cause de la même chose, c'est le manque de moyens du service public qu'on voudrait remettre en valeur, justement. J'ai parlé à des pompiers, à des gendarmes à ce sujet-là. Ils sont tous d'accord, ils ont plusieurs casernes, par exemple, chez les pompiers, qui tombent en ruine, par exemple à la Volturone. Et ils n'ont plus même de quoi payer l'essence pour certaines casernes. Donc ça pose problème. Vous plaisantez quand vous dites ça? Que les pompiers ne peuvent... Ça, c'est vrai pour l'armée russe en Ukraine. Je vous assure que les pompiers peuvent mettre de l'essence dans leur camion, je vous promets. C'est ce qu'on m'a dit. Là, sur l'affiche, ça, vous pouvez rire. J'ai pas mis dans l'affiche du tout. C'est juste que je redis ce que j'ai entendu des pompiers de la Voulte. J'aimerais juste un mot sur la sécurité routière. En Ardèche, les chiffres, globalement, y a moins de décès sur les routes. L'Ardèche vient de repasser à 90 km/h. On a vu que le passer à 80 km/h, globalement, ça n'a pas trop agi. Donc on nous enlève les 10 km/h pour remettre des panneaux quelques années après, qui ont d'ailleurs un coût considérable pour nos collectivités. Que pensez-vous justement de la sécurité routière? Est-ce qu'il faut enlever, comme propose aujourd'hui Emmanuel Macron ou le gouvernement, d'enlever justement les points sur les petites infractions? Vous pensez que c'est une bonne idée, ou au contraire, ce sont des mesurettes une fois de plus? Et puis, est-ce que vous avez quelque chose à dire sur la sécurité routière? Alors déjà, avec Reconquête, on est très contents qu'en Ardèche, ça soit repassé à 90. Voilà, tout simplement. Et deuxièmement, le permis à points, on prévoit de l'enlever. Pourquoi? Parce que justement, pour toutes les petites infractions, on se fait avoir. Moi, par exemple, j'ai 80€ de revenus par mois. Je circule beaucoup parce que j'ai 11 engagements par an, pour tout vous dire. Tous les mois, j'ai 11 engagements par semaine. Et donc, je circule énormément. Or, il y a toujours un moment où on pense à autre chose et on se fait flasher. Et comment je rembourse ça avec mes 80€ par mois? Donc ça, c'est très délicat. Et je pense, par exemple, aux familles qui n'ont pas grand-chose. Les parents vont faire des... vont au travail en voiture tous les jours. C'est un trajet qu'ils connaissent par cœur, donc forcément, ils font moins attention à la limite de vitesse, et ça peut forcément leur faire perdre très vite déjà des points, et en plus, beaucoup d'argent. Très bien. Madame Ginez, qu'est-ce que vous avez envie de nous dire par rapport à la sécurité, notamment sur notre territoire, hein, puisque ouais. On peut parler au niveau national, bien évidemment, mais... on est toujours mieux concerné où l'on habite et dans son entourage, sur les thèmes qu'on vient d'évoquer. Oui, bien sûr. On peut débattre, bien sûr, de ce sentiment-là, mais ce qu'on remarque sur le terrain, c'est surtout le sentiment d'insécurité. Donc ce sentiment, il ne se décrète pas, on l'a à l'intérieur de soi. On a pris beaucoup de mesures concrètes qui ont été faites depuis 5 ans, mais il faut encore amplifier les efforts, notamment dans les zones de gendarmerie, comme en Ardèche. En rural. Et il faut aussi œuvrer chaque jour pour amener le visage de l'État au niveau des citoyens, pour être plus proche.
Globalement, la priorité a été de remettre la présence des forces de l'ordre sur le terrain pour que nous puissions vivre plus en sécurité partout. L'augmentation budgétaire sur le quinquennat sont inégalées. Le ministère de l'Intérieur aura bénéficié de plus de 10 milliards d'euros depuis 2017. Il y a eu aussi un recrutement de 10 000 policiers et gendarmes. Le renouvellement aussi historique de la moitié des véhicules des forces de l'ordre sous le quinquennat. Et bien évidemment, pour protéger les victimes des violences intrafamiliales et sexuelles, plus de 300 unités spéciales et plus de 2000 enquêteurs permettent de faciliter la prise en charge des victimes avec une formation auprès des policiers et des gendarmes. Alors, ce que je soutiendrai, bien évidemment, c'est de doter aussi des agents sur la voie publique de caméras. Bien sûr qu'en Ardèche, on est moins impacté sur ce côté-là. Mais d'ici 2030, c'est surtout la présence des forces de l'ordre sur le terrain, du doublement qui est fait actuellement, puisque aujourd'hui, les policiers et gendarmes passent beaucoup de temps dans les bureaux. Donc, c'est aussi libérer de l'administratif pour qu'ils puissent être plus sur le terrain. Et puis donc, voilà, depuis 5 ans, on a fait beaucoup. Il ne faut que... Pardon. Est-ce que vous pensez que la police de proximité, par exemple, dans les zones urbaines, ne serait pas justement quelque chose qui pourrait être remis, ou avoir en tout cas beaucoup plus? Les policiers, d'ailleurs, la plupart du temps, le demandent. Oui, bien sûr. La proximité permet de la prévention au lieu d'être toujours dans la répression. Est-ce que ce n'est pas aujourd'hui une des solutions? Parce qu'on a enlevé globalement beaucoup de commissariats de proximité dans des cités qui aujourd'hui sont complètement livrées à elles-mêmes. Pour un exemple personnel, j'ai travaillé dans les années 2000 dans une, au Puy-en-Velay, qui était une ville avec quelques quartiers. Et par expérience, je peux vous dire que les jeunes à cette époque-là, donc il y avait des matchs de foot qui étaient organisés entre les jeunes des cités et les policiers. Ça avait créé un lien qui était bien plus fort et les gens se regardaient beaucoup moins de travers. Ils s'affrontaient sur les terrains et il y avait une espèce de fraternité après match qui pouvait être fait. Ensuite, les gouvernements ont dit que les policiers ne devaient pas jouer au foot, c'était pas leur rôle. Et on a durci ces relations entre les policiers et la population. Et petit à petit, bien sûr, le lien s'est effacé entre l'institution, la représentation de la fonction et les citoyens. Donc oui, effectivement, remettre du lien social serait peut-être une des meilleures choses à faire. Recréer la confiance. Vous rejoignez également Marie-Elisabeth Flash sur la protection des enfants, justement, où dans vos 10 raisons de vous faire confiance, vous parlez du contrôle parental automatique pour les appareils électroniques et lutter contre le harcèlement scolaire. Oui, oui, ce sont des mesures très importantes. Aujourd'hui, les enfants peuvent être amenés à être face à des images de violence. Et c'est tout à fait regrettable, bien sûr. Et la violence faite au collège ou dans les écoles également. Il y a déjà des expériences qui sont menées avec les sentinelles. Donc, c'est-à-dire un référent où on peut parler d'une problématique et c'est un élève. On est entre l'élève et l'adulte. Oui, effectivement, c'est tout ce qui ramène un lien en fait, entre les humains ne peut que favoriser... une meilleure sécurité, un meilleur sentiment de sécurité. Merci, Madame Ginez. Monsieur Valla, en tant que maire, vous êtes confronté évidemment à la sécurité ou à l'insécurité, le sentiment d'insécurité. Comment ça se passe la vie à Privas, justement? Plus de délinquance, moins de délinquance, c'est stable? Prenez votre micro. Ouais. Alors, en matière de sécurité, des chiffres, Privas, c'est 3 fois moins de délinquance que le couloir rhodanien. Très simple. Bien. Alors, ce n'est pas non plus la même délinquance. On a des faits nombreux qui sont combattus pour la plupart du temps. On a 79% de taux de résolution grâce aux caméras.
Alors, évidemment, ce n'est pas du grand banditisme, mais il arrive parfois que grâce aux caméras, d'une caméra à l'autre, d'une commune à l'autre, on arrive à remonter, reconstituer des trajets, des itinéraires de gens qui ne sont pas là non plus pour faire de la dentelle. Et c'est un sujet qui nous tient à cœur parce qu'on améliore quasiment, pas au quotidien, mais chaque année encore les dispositifs grâce à des concours de l'État, grâce à des concours de la région pour équiper correctement notre police et nos réseaux de caméras. Alors, la sécurité, c'est un vaste sujet. On voit bien que quand on parle de violences faites aux femmes ou à des enfants, quand on parle de sûreté nucléaire, on peut parler de sécurité également, parallèlement, puisque c'est également, ça va de pair. Quand on parle de violence routière et d'insécurité ou de sécurité routière, c'est encore un autre sujet. Et puis, effectivement, il y a le quotidien. Vous avez parlé du rôle de la gendarmerie ou des commissariats de police. Moi, je regrette un peu parce que, évidemment, ce n'est pas la même situation qu'en banlieue parisienne ou même à Lyon. Ou même à Valence, d'ailleurs. Ce n'est pas du tout les mêmes situations qu'on arrive assez facilement à maîtriser grâce au concours des forces de police et de gendarmerie. Je regrette une chose, parce qu'on parle quand même de l'Ardèche et notamment de notre circonscription. C'est vrai que la gendarmerie a eu tendance un peu à oublier des territoires. Elle est en train de corriger le tir un peu aujourd'hui. On a des gendarmeries qui étaient neuves, qui ont été désertées totalement. Et c'est un peu dommageable pour ces territoires, d'abord, de ne plus avoir cette présence des gendarmes qui rassurent. Et les gendarmes sont des agents de renseignement utiles pour, évidemment, vérifier que dans tel et tel secteur, tout se passe conformément à ce que souhaite le préfet ou les forces de police ou de gendarmerie. Donc, ce sont des sujets. Nous, ici, on a la chance d'être en zone de police, mais également en zone de gendarmerie. On a 75 gendarmes et 75 policiers. Et plus la police municipale. Donc on quadrille quand même assez bien. La gendarmerie n'intervient pas sur la ville, la préfecture, mais tout autour et dans des zones assez vastes. Et donc on a la satisfaction de voir aussi qu'il y a une étroite collaboration entre forces de police et forces de gendarmerie quand il y a matière, c'est-à-dire quand il y a des alertes sévères, ça arrive parfois, hein. Avec des signalements de gens indésirables qui circulent. Il y a des collaborations étroites. Et donc, sur ce territoire, on a intérêt à être très attentif et à soutenir, évidemment, les forces de police et les forces de gendarmerie au quotidien, parce qu'ils font un travail à la fois de renseignement, d'alerte, mais aussi de lutte contre la délinquance, toutes sortes de délinquances, y compris les violences dont on parlait tout à l'heure, y compris de violences routières, parce que c'est un sujet qui nous tient à cœur. Alors 80 ou 90, ça, c'est des politiques, évidemment, qui sont propres à chaque département, mais très franchement, on ne peut pas se plaindre trop en Ardèche, parce que il y a évidemment des accidents, mais il faut analyser un peu les raisons de ces accidents. On a parfois deux victimes ou trois victimes par accident qui aggravent considérablement les chiffres, mais ce n'est pas forcément dû ni à la vitesse, ni à l'inconséquence des conducteurs. Il y a parfois des conditions qui sont un peu plus intéressantes à analyser que le simple commentaire. Merci, Monsieur Vallat. Madame Porquet, on sait que la sécurité au Rassemblement national, c'est quelque chose d'important. Qu'est-ce que vous aimeriez développer ? Je vais juste rebondir sur ce que vient de dire Monsieur Vallat, qui nous dit on ne peut pas se plaindre en Ardèche, Monsieur Vallat. Je peux entendre ça, mais je ne peux pas le comprendre. Vous savez pourquoi ? Parce que si vous êtes candidat pour la députation, Monsieur Vallat, vous êtes censé représenter l'ensemble des Français. Avec ce genre de discours, vous vous retrouvez à l'Assemblée nationale. Répondre, parce que là, je ne vais pas laisser dire des conneries comme ça. Hein. Ah oui, non, c'est ça sûr. Ça va être vite réglé. Excusez-moi, oui. Ça, c'est pour le coup, je suis effarée. Bon, bref, donc c'est à moi la parole. Donc là, pour le coup, ben, oui, comme tout à l'heure, hein, j'aurai comme Monsieur Vallat sur tous les autres vous thèmes. Après. On vous écoute. J'aurai comme sur tous les autres thèmes un discours de vérité. L'ensauvagement ne doit pas être nié.
ne doit plus être nié. La sécurité, c'est la première de nos libertés. Il faut agir avec la plus grande fermeté. Il ne se passe pas un jour sans qu'il y ait des agressions, des crimes, des délits, des violences dans notre pays. 120 attaques au couteau par jour. Une agression toutes les 44 secondes en France. Nos pompiers, nos policiers, nos médecins se font insulter, agresser en Ardèche, à Nonay, au Benat, le Teille. Encore hier, dans la journée, une dame de 72 ans, sur la commune du Teille, s'est fait dépouiller par deux voyous. Le problème en France, c'est que les délinquants et criminels n'ont plus peur des conséquences de leurs actes. Donc nous, ce que nous souhaitons, c'est redonner les moyens humains et financiers à nos forces de l'ordre, accompagnés d'une politique ferme avec la volonté d'agir. En gros, la culture du laxisme et la culture de l'excuse, ça suffit. Arrêt Buffet, construire des places de prison, recruter des magistrats, appliquer les peines. C'est-à-dire que vous prenez 5 ans, vous faites 5 ans, supprimer les remises de peine. Donc là, c'est l'application par la justice. Tout à fait. Remettre en place aussi les courtes peines pour, dans des structures adaptées pour les jeunes délinquants. Et on ne peut pas, je suis désolée, mais on ne peut pas parler de sécurité sans aborder l'immigration. On ne peut pas parler sécurité sans aborder l'idéologie islamiste. Je suis désolée de le dire. Il faut arrêter d'avoir les yeux grands fermés sur le sujet. Rien que cette semaine, cette dernière semaine, vous avez vu le scandale au Stade de France. Enfin, je veux dire, je crois qu'il n'y a que Gérald Darmanin qui croit que le souci, c'est un problème de billetterie. Le souci, ce n'est pas un problème de billetterie, c'est un problème d'immigration et de délinquance. Quand vous voyez 300 à 400 jeunes qui viennent détrousser, piller, violenter, agresser, il y a même eu des agressions sexuelles sur les touristes et les supporters. Quand on nie ça, c'est dramatique. Il y a eu ça. Et il faut savoir que sur les gardes à vue qui ont été faites, pas sur les interpellations, sur les gardes à vue, les trois quarts étaient des clandestins qui venaient de la porte La Chapelle. Je pense qu'à un moment donné, il faut dire les choses. De plus, dans un silence assourdissant médiatique, à Marseille, un médecin qui s'est fait, il y a une semaine, un médecin qui allait chercher ses deux enfants à l'école, s'est fait égorger au nom d'Allah Akbar, dans un silence médiatique, comme je l'ai dit, assourdissant. La semaine dernière, un jeune lycéen de 18 ans, à Valence, qui s'apprêtait à passer à l'acte et à agresser les passants à l'arme blanche au nom de l'État islamique. L'islamisme ne pousse pas sur le plateau ardéchois. Il est importé par une immigration massive et anarchique. Et ça pose des problèmes économiques, sociaux, culturels et identitaires. Pendant la campagne présidentielle, nous avons porté deux grands projets. Un référendum sur l'immigration, car il est temps de rendre la parole aux Français. Ça fait plus de 40 ans qu'on leur impose une immigration massive sans qu'ils aient la parole. Encore dans le dernier quinquennat, Madame Ginez, plus d'1,5 million de personnes supplémentaires. Et donc nous portions aussi une loi contre l'idéologie islamiste. Et donc demain, à l'Assemblée nationale, nous lutterons contre cette immigration massive et nous lutterons pieds à pied, contre l'islamisme radical, contre cette idéologie qui meurtrit et qui défigure notre pays. Merci Madame Porquet. Monsieur Solignac, rebondir sur ce qui vient d'être dit, développer vos projets concernant la sécurité. Rebondir sur ce qui vient d'être dit, la plus grande violence que je connaisse, Madame Porquet, ce sont vos mots. Les mots que vous venez d'avoir sont de nature à craquer une allumette sur un bidon d'essence. Oh super, les victimes apprécieront, monsieur Solignac. Et ce qu'il y a de bien avec un débat comme celui-là qui est retransmis et enregistré, c'est que tout ce que vous avez pu dire pourra être vérifié. Absolument tout. Absolument tout. Et ce qu'il y a d'extraordinaire avec le Rassemblement national, c'est qu'il a toujours des informations que les plus hautes autorités de l'État n'ont pas.
Non, sur c'est que nous, on n'a pas les yeux grands fermés, monsieur Solignac. Alors, grand tout fermé, simplement. Ça n'existe pas. C'est grand ouvert. Et justement. Ou totalement. Et c'est là clos. Toute la subtilité, voyez-vous. Et donc, on va aller vérifier tout ça. Mais j'ose espérer, madame Porquet, que vos informations sont justes au-delà de l'idéologie dont vous venez de faire preuve. Moi, je veux rappeler de manière plus sereine que dans un État républicain et au nom d'un principe fondamental de la République, c'est-à-dire l'égalité, la sécurité est due à tout Français et en tout point du territoire. Ça, je tiens à le rappeler, et je ne crois pas que ça soit de nature à déclencher de la haine ni de la violence. Ça n'est peut-être plus tout à fait le cas, parce qu'il y a un certain nombre de brigades, par exemple, de gendarmerie qui ont fermé sur la montagne ardéchoise, ou qui sont ouvertes de manière séquentielle, seulement l'été. Et je peux comprendre que un certain nombre de nos compatriotes qui vivent sur la montagne ardéchoise, qui ont vu fermer la poste, qui ont vu fermer l'école, qui ont vu fermer le trésor public et qui ont vu fermer la brigade de gendarmerie, aient le sentiment d'être abandonnés par cette République et par la nation. Et ça, je crois que ce sont des choses auxquelles nous avons à répondre. Et que réintroduire autrement que la façon dont ça a été fait, c'est-à-dire avec des gendarmes à vélo, j'ai cru comprendre que c'est ce qui avait été inauguré récemment par M. Darmanin. Réintroduire des forces de sécurité avec, sur l'uniforme, le bleu, le blanc et le rouge de la République, c'est important pour nos concitoyens qui ne doivent pas se sentir exposés à une quelconque forme d'insécurité. Et puis enfin, quand on parle d'insécurité, je ne sais plus vraiment de quoi on parle. Parce que tout à l'heure, la candidate, pardonnez-moi, j'ai oublié votre nom, Madame Flash, pardonnez-moi, a créé un lien entre la pornographie et la sécurité. Je suis d'accord avec vous, la pornographie ne doit pas être mise entre les mains des enfants et évidemment des plus jeunes. Mais j'ai un peu du mal à comprendre le lien entre la pornographie et l'insécurité. Peut-être que vous me l'expliquerez, mais malheureusement, la violence intrafamiliale dont vous parlez, souvent ceux qui se rendent coupables d'une violence à l'égard de leurs enfants, dans 80% des cas, ont eux-mêmes été victimes de violence, et la pornographie n'a pas grand-chose à y voir là-dedans, même si je n'en fais pas la promotion, évidemment. Et il y a d'autres formes j'en terminerai par là, il y a d'autres formes d'insécurité que nous ne connaissions pas dans le passé. La cybercriminalité, vous l'avez évoqué tout à l'heure. Le harcèlement par des nouvelles technologies que nous ne connaissions pas également dans le passé. La haine en ligne, la délinquance financière aussi, qui est en train de se développer via ces outils nouveaux et qui oblige les pouvoirs publics à mobiliser beaucoup plus de moyens que dans le passé. C'est donc un défi que nous avons à relever. Je veux quand même dire que j'ai eu l'honneur d'être rapporteur pour avis du budget de la gendarmerie et de la police, non pas l'année dernière, mais l'année d'avant. Et nous avons voté des crédits de formation qui sont non consommés. Non consommés faute de formateurs. Ce qui est particulièrement préoccupant quand on sait tous les défis qu'ont à relever nos gendarmes et nos policiers. Merci, monsieur Solignac. Monsieur Vallat, je vous laisse répondre à madame Porquet. Oui, mais je vais répondre diplomatiquement. Bon, c'est vrai que les problématiques de la France ne sont pas les problématiques de l'Ardèche, mais il se trouve que 95% de nos auditeurs sont ardéchois et que ce qui les intéresse, c'est d'entendre parler du territoire ardéchois, de notre circonscription et des zones, évidemment, qui méritent d'être évoquées ou méritent d'être commentées. Moi, je voulais simplement conseiller à Madame Porquet d'aller se présenter justement dans le secteur de Porte-la-Chapelle, de manière à ce qu'elle se mette au diapason avec ce qui se passe autour et qu'elle soit en mesure de se faire les dents auprès de ces quartiers. Ou même, tout simplement, là, dans le quartier de Villeurbanne ou des Minguettes, je pense que ça vous ferait bien, ça vous ferait un petit peu les pieds. Et surtout, ça vous permettrait de sortir un peu du contexte ardéchois, puisque vous en brûlez d'envie. C'est parfait. Allons-y. Eh bien, écoutez, merci, monsieur Vallat. C'est sûr que ça valait le coup que vous interveniez. Franchement, ça valait le coup. Donc, je souhaitais, monsieur Valentin, revenir sur ce que vous aviez dit tout à l'heure par rapport à la baisse des cambriolages. Il faut savoir que les chiffres sont tronqués. Pourquoi sont tronqués ?
parce qu'ils ne sont pas pris en compte dans ces chiffres les cambriolages des entreprises, des résidences secondaires, des garages. C'est-à-dire que les chiffres sont tronqués. Donc, je veux dire, voilà, il faut toujours prendre avec prudence ce genre de chiffres. Je voulais juste préciser là-dessus. Merci, M. Vallat, c'était un plaisir. Merci. Nous allons... C'est un plaisir aussi pour nous, il n'y a pas de problème. L'échange n'a rien d'aussi utile, justement, de s'aiguiser mutuellement. Et en politique, vous savez à quel Apparemment, point... sauf quand on n'est pas d'accord avec vous, M. Vallat. Comment? Ben, je suis désolée, vous refusez le débat. Vous prenez pour vous. Je prends les témoins. Est-ce que je refuse le débat, moi? Ah ben, je suis désolée. Est-ce que je refuse le débat? Vu votre réaction en me disant présenter à la porte la chapelle. La politique spectacle, c'est bon. Ce n'est pas ici, un argument. Ce n'est pas un argument. Je suis désolée de vous le dire. On n'a pas besoin de politique spectacle. Vous acceptez la démocratie à partir du moment où on est d'accord avec vous. Soutenir qui vous voulez, mais ne venez pas nous faire la leçon ici. C'est du mépris, ça, monsieur Vallat. Attends, vous prenez pour qui là? Je me prends pour qui je suis. Bon, bon, j'essaie Porquet, de dire Porquet, les choses Vallat, correctement avec beaucoup de démocratie. Je dis la vérité. Vous savez, c'est un échange d'idées. On peut être de pas d'accord, mais je suis désolée. Ce genre d'argument, je suis désolée. C'est du mépris, monsieur Vallat. Je suis en train de vous dire que je suis en train de vous respecter. Non, mais bon, je pense qu'effectivement, il y a du mal là. Alors, c'est un sujet qui évidemment. Crée évidemment des passions. Nous allons aborder le dernier thème. Nous sommes largement en retard, mais l'avantage à TV07, c'est qu'il n'y a pas d'émission derrière. Donc nous avons le temps. Donc si vous avez encore le temps de consacrer un peu justement de ce temps à un sujet qui aujourd'hui occupe aussi l'espace médiatique, même si selon certaines estimations, l'écologie n'aura occupé qu'environ que 5% des débats animés par les grands médias audiovisuels au cours de la campagne présidentielle, qui vient donc de s'achever. Alors que les enquêtes d'opinion consacrent l'environnement comme une préoccupation majeure des Français, souvent en deuxième, voire en troisième position, les trois quarts des suffrages sont allés le 10 avril à des programmes souvent dépourvus, et il faut le reconnaître, de toute ambition en la matière. Paradoxal, allez-vous penser? Alors pas trop étonnant, car depuis des décennies, les grands médias privilégient les questions économiques, d'immigration ou d'insécurité. Je souhaite donc avoir ce soir votre avis sur ce thème qu'est évidemment le réchauffement climatique. Qu'allons-nous laisser à nos enfants? Quelle planète? Quelle solution avez-vous à nous proposer? Marie-Elisabeth Flash. Alors, il y a quelque chose de très réel en Ardèche, c'est l'histoire de l'économie de proximité, l'économie rurale et l'économie circulaire. En Ardèche, ça pourrait presque suffire à lui-même d'avoir une économie circulaire avec tous les petits commerçants du coin, les agriculteurs, les artisans, et tous pourraient se suffire entre eux. Et pourquoi ça va dans l'écologie? Parce que on n'est pas obligé d'exporter dans ce sens-là d'aliments à l'autre bout de la planète. Par bateau, par avion. Et ce qui est déjà bien aujourd'hui, c'est qu'il y a seulement la desserte locale en Ardèche et il n'y a pas de transit en Ardèche. Et ça, c'est déjà quelque chose de bon. Donc vous voulez développer, en fait... L'économie circulaire. Voilà, l'économie circulaire, les circuits courts. Pensez-vous pas qu'en Ardèche, déjà, c'est déjà bien implanté, que ce soit sur le plateau ardéchois, même en Valais. On a aujourd'hui de petits producteurs, nous avons cette chance. Vous disiez... L'Ardèche pourrait presque s'autosuffire. Pensez-vous pas que c'est déjà quelque chose qui est mis en place? Et que peut-on faire de plus pour l'écologie et cette planète qui est en train de se détruire? Effectivement, il y a déjà beaucoup de progrès pour ce domaine-là. Mais on peut toujours aller plus loin, par exemple, dans la recentralisation, c'est-à-dire que beaucoup moins d'aliments extérieurs arrive si on n'a pas besoin. L'Ardèche, comme ça, pourrait moins exporter aussi pour garder ce dont il a besoin. C'est tout simple. Très bien. Suffisant pour l'écologie. Il y a beaucoup d'autres choses, mais je crois qu'en temps de parole... En fait, il y a aussi l'histoire de la PAC dont on ne parle pas assez.
Il n'y a pas longtemps, c'est-à-dire la semaine dernière, j'ai rencontré un maraîcher qui m'a dit qu'il avait, l'année dernière, laissé la moitié de ses abricots pourrir, sans les cueillir, parce que sinon, il n'avait pas la subvention nécessaire de la PAC. Ce qui est quand même assez faramineux, dans le sens où aujourd'hui, nos fruits sont beaucoup plus chers déjà pour les habitants. Et on les laisse sur les arbres pourrir comme ça. Ce qu'il m'a dit et ce qui est ce que je pensais et ce que je pense toujours, c'est que les agriculteurs devraient être plus libres et la PAC devrait s'adapter aux agriculteurs, contrairement à ce qui se fait aujourd'hui, où les agriculteurs doivent s'adapter à la PAC. C'est pas normal. Dans le programme d'Éric Zemmour, parlons un petit peu d'énergie renouvelable. Éric Zemmour souhaite démonter toutes les éoliennes en France et passer quasiment 100% au nucléaire. Est-ce que c'est la bonne solution aujourd'hui? Est-ce que vous pouvez développer justement par rapport à ces éoliennes, ces énergies renouvelables? Alors effectivement, l'arrêt du projet éolien de l'Ardèche était une très bonne chose, j'en étais ravie. En plus, pour le reversement à l'énergie bois, à la filière bois, c'était une bonne chose qu'on recherche justement à Reconquête. Ensuite, pour ce qui est du nucléaire, ça fonctionne depuis des années. De plus en plus, les recherches montrent qu'on peut se défaire des déchets nucléaires, qu'on peut les réutiliser jusqu'à ce qu'il n'y ait pratiquement plus rien. Au pire, on les... Voilà, je vais pas rentrer dans ces détails parce que sinon j'ai pas fini. Après, je pense que le nucléaire est un... On dit toujours vous êtes contre ou pour le nucléaire. Et je pense qu'on peut pas dire ça parce que c'est un outil, c'est pas une valeur. Et je pense que voilà, le nucléaire est un outil, donc utilisons-le. Comme on disait tout à l'heure, Solignac et moi, la France était jusqu'à maintenant la plus économique en électricité et c'est nous qui la produisons. Alors restons-en là. En Ardèche, on a cette capacité aujourd'hui quasiment à produire plus d'énergie renouvelable que d'en consommer. Vous seriez pour l'arrêt justement de ces énergies renouvelables avec la transition en plus écologique, je pense c'est 2025, où nous devrons arriver à quasiment 50% d'énergie renouvelable en France. Si vous êtes élu, vous militerez justement à l'Assemblée nationale pour que reste le nucléaire, qui est peut-être une bonne énergie. Hein. Enfin, Oui, parce que justement, comme je disais, en France, ça se passe très bien avec le nucléaire, donc continuons ainsi. Très bien, merci Marie-Elisabeth Flash. Séverine Ginez, ça fait partie de la priorité, la première priorité de ce nouveau gouvernement avec Elisabeth Borne, qui se porte pour, je dirais, la grande défenseuse de l'écologie. Alors, qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce qui va bouger? À quoi doit-on s'attendre dans les semaines à venir? Alors oui, bien sûr, l'écologie, c'est un sujet complexe, bien sûr, parce qu'il y a toute une génération de jeunes aussi qui est éco-anxieuse, qui est tout à fait normal, et beaucoup de politiques n'ont pas changé non plus. Donc c'est un sujet complexe, mais avec le gouvernement, ils ont mis les moyens pendant ce premier quinquennat et ça va être accéléré sur ce second quinquennat, parce qu'on n'a plus le temps d'attendre et que nous devons donc avancer le plus rapidement possible sur ces sujets. La question énergétique, donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a quand même permis d'arrêter des grands projets obsolètes comme l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. On a développé la rénovation énergétique avec plus de 650 000 primes Marénov rien qu'en 2021. Et sur la question énergétique, qui est la clé de notre stratégie, ça repose sur trois piliers. Donc capitaliser sur la sobriété énergétique, au moins 7500 logements rénovés par an, développer les énergies renouvelables avec un objectif de multiplier par 10 notre puissance solaire et développer l'éolien marin, miser sur le nucléaire pour la transition avec la construction de 6 nouveaux EPR. Notre projet est le seul qui permet de sortir rapidement de la dépendance aux énergies fossiles, notamment au gaz russe, voilà, la dépendance au gaz russe. Je pourrais parler pendant longtemps sur ces mesures. Mais ce qui est important aussi, c'est l'éducation, miser sur l'éducation des enfants, mettre en œuvre de l'éducation au développement durable pour tous, de la maternelle jusqu'au lycée, former plus de 400 000 personnes au métier de la transition écologique et créer également un service civique de l'écologie pour prendre des chantiers importants pour la nation. Merci. Des actions concrètes.
Merci. Monsieur Valla, l'écologie, ça reste un vaste domaine, je vous l'accorde. On a très peu de temps. Allez à l'essentiel, allez avec vos propositions, ce que vous aimeriez vous proposer dans l'hémicycle. Bon, on est un petit peu habitué depuis quelques années à entendre parler d'écologie punitive. Et ça, malheureusement, ce n'est pas sous cet angle-là qu'on arrivera à des résultats. Et moi, je voudrais immédiatement associer le travail considérable que font les agriculteurs dans ce domaine. Ce sont les premiers écologistes de notre territoire. Ce sont eux qui sont les garants de nos paysages. Ce sont eux qui sont les garants de la sécurité anti-incendie. Ce sont eux qui assurent le bien manger des Français, en fait, des concitoyens français. Et en Ardèche particulièrement, je crois qu'il faut s'attarder un petit peu sur ces aspects qualitatifs auxquels on a droit dans ce département, avec des labels et des marques en quantité, des AOP, des AOC, etc., que ce soit pour les vignobles, que ce soit pour les châtaignes, que ce soit pour les viandes, que ce soit pour les fromages. Et ça, c'est de l'écologie, et ça, c'est ce qui satisfait le plus nos concitoyens. Que pensez-vous justement de l'utilisation des pesticides, puisque vous parlez d'agriculture? Est-ce qu'il faut aujourd'hui un vrai moratoire sur ce sujet? Est-ce qu'il faut aller plus loin sur l'utilisation de certains produits, le glyphosate et compagnie? Est-ce qu'il faut, en Ardèche, nous avons la chance d'avoir une alimentation qui est souvent biologique, naturelle, tout au moins. Là, on parle sur un problème d'écologie mondiale, problème national, mais mondial aussi, puisque nous sommes sur la même planète. Que proposez-vous, justement, sur l'utilisation de ces produits phytosanitaires? Nous avons été interrogés il y a quelques jours, d'ailleurs, Hervé Solignac était aussi de la partie, par le CDJA et la Fédération des agriculteurs. Eux, c'est très simple. Si demain matin, on est capable de leur trouver des produits qui sont aussi efficaces, du jour au lendemain, ils utiliseront des produits évidemment un peu plus acceptables. Mais aujourd'hui, malheureusement, ils sont dans l'obligation de poursuivre. Je crois que le gouvernement, d'ailleurs, poursuit l'autorisation, plutôt, d'utilisation de certains pesticides. Mais il est clair que partout où on le peut, il y a des expériences qui se déroulent très intéressantes dans des domaines de lutte justement contre certains types de ravageurs, enfin d'insectes ravageurs ou autres. On a vu ça notamment avec la châtaigneraie, où la châtaigneraie a failli être totalement ravagée et on a trouvé des insectes pour combattre l'insecte ravageur, justement. Donc il y a des solutions, bien sûr, mais aujourd'hui, en l'état, je pense que tant que les agriculteurs n'auront pas accès à des produits un peu plus acceptables, je pense qu'il faudra certainement leur faire confiance et surtout être en mesure de limiter à la fois l'impact, mais aussi, évidemment, le contrôle et accentuer le contrôle, j'entends. J'aimerais à présent avoir un petit peu votre avis sur justement l'utilisation du nucléaire, les énergies renouvelables. Faut-il, faut un mix des deux, faut tout nucléaire, tout passer aux panneaux photovoltaïques ou autre? Est-ce qu'on a la capacité déjà en France, les éoliennes? Quelle est votre position, vous, en tant que candidat? Bon, écoutez, franchement, les chiffres parlent. Hein. La majeure partie de l'électricité est produite par le nucléaire. Il est évident qu'il faudra certainement des dizaines d'années pour arriver à assurer cette transition en direction des énergies un peu plus acceptables, justement, telles que le photovoltaïque ou pourquoi pas, il peut y avoir l'hydraulique. En Ardèche, joue un énorme rôle, y compris dans certaines zones de l'arrière-pays où on a des microcentrales qui produisent, pas toute l'année, mais quasiment. Et puis, on a nos barrages sur le Rhône qui sont pas négligeables. Et puis, avec quelques éoliennes qui doivent être acceptables pour nos paysages. On a combattu récemment le projet, notamment au-dessus de Flaviac, d'éoliennes géantes, 120 mètres, je crois, de haut, qui allaient complètement massacrer le paysage au-dessus de la vallée. Donc. Et il est évident qu'il faudra du temps. Mais aujourd'hui, avec la rénovation de la centrale prochainement, avec le grand carénage de Cruas, je pense que
les conditions sont quasiment réunies pour encore attacher plus d'importance à la sécurité nucléaire, à la sûreté nucléaire. Merci, monsieur Valla. Madame Porquet, votre regard justement sur l'écologie, les énergies non renouvelables, ce qui vient d'être abordé. Comme tous les autres thèmes, c'est un sujet important, bien sûr, c'est un sujet majeur. Nous sommes tous attachés à l'environnement, au monde dans lequel nous vivons, à celui qu'on va laisser à nos enfants, à nos petits-enfants. Mais je pense qu'il faut arrêter de culpabiliser les Français sur le sujet. Il faut arrêter le terrorisme climatique. La France fait partie des 5 pays au monde les moins polluants. Sur un classement de 500 villes les plus polluantes, pas une seule ville française y figure. Donc ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire, mais ça veut dire qu'il faut arrêter le terrorisme climatique. Parce que ce qui est un drame pour l'environnement, ce n'est pas Bernard ou Françoise qui va chercher ses enfants ou qui va faire ses courses avec sa voiture. Ce qui est un drame pour l'environnement, c'est le modèle de libre-échange et d'importation massive. D'ailleurs, le GIEC de 2022 le mentionne très clairement. 50% de nos gaz, de nos émissions de CO2, c'est dû à nos importations. Donc nous souhaitons revenir à un modèle économique de bon sens, de proximité, qui pour le coup protège l'environnement. Nous défendons le localisme, produire et consommer au plus près. Nous souhaitons revaloriser les productions, détaxer les circuits courts, privilégier nos entreprises dans les marchés publics, 100% local dans nos cantines, 40% en Ardèche. Nous défendons bien sûr notre filière nucléaire, qui est une énergie décarbonée, peu cher et qui participe à notre souveraineté énergétique. Il faut bien sûr relancer le projet Astrid, qui, justement, pour les déchets nucléaires, on avait investi beaucoup, des millions d'euros dans ce projet Astrid qui avait été interrompu par Emmanuel Macron, vous savez, avec les « je t'aime, moi non plus hein, » du nucléaire d'Emmanuel Macron pendant 5 ans. Nous soutenons également et nous souhaitons développer l'hydroélectricité et la filière hydrogène, la porter beaucoup plus la soutenir. Et protéger l'environnement, c'est aussi protéger notre patrimoine naturel. Il faut arrêter avec ces implantations d'éoliennes, qui est une aberration économique, qui est une arnaque écologique. On empoisonne nos terres, on leur met des millions de tonnes de béton, de ferraille. Les éoliennes, c'est des matériaux qu'on importe, ça coûte une fortune, ça fait perdre 30% aux maisons alentours, sans compter les conséquences pour la santé. Là, M. Solignac, vous avez une très lourde responsabilité sur l'implantation et sur le saccage territorial dans notre département, notamment sur les politiques que vous avez menées quand vous étiez président du département. Il faut arrêter avec tout ça. C'est un saccage. Voilà, il faut arrêter avec ces implantations d'éoliennes, tout simplement. Merci. Très bien, merci Madame Porquet. Ben, écoutez, Monsieur Solignac, vous pouvez de suite répondre si vous le souhaitez. Oui. Madame Porquet, vous êtes favorable au localisme, c'est bien ce que vous avez dit. Tout à fait. Pourquoi votre tract est imprimé à Limoges ? Alors, mettez en adéquation vos paroles et vos actes. Parce que moi, mon tract, il est imprimé en Ardèche. Prenez votre micro, Mme Porquet. C'est des tracts nationaux, Monsieur Solignac. Quelques mots. J'ai fait faire imprimer, oui, bah oui, mais vous m'interpellez. J'ai fait imprimer quelques un tract mots sur, moi-même, le sujet, où je suis allé à Somapub, vous savez, à Viviers, vous connaissez peut-être. Très bien. Très bonne société. Quelques mots sur le sujet, sur l'écologie. D'abord, pour dire que la France est un assez mauvais élève. Et ça permet néanmoins à dire, comme vient de le faire Mme Porquet, ça permet à certaines de faire croire qu'elle serait un bon élève, parce que en raison de la part prépondérante du nucléaire, nos émissions de CO2 sont assez faibles. Mais nous sommes un très mauvais élève sur la part des énergies renouvelables dans la globalité de l'électricité que nous produisons. La meilleure preuve, c'est que nous sommes 11e au sein de l'Union européenne. La deuxième preuve, c'est que le Conseil d'État a condamné le gouvernement français en 2020 pour inaction climatique et a produit un certain nombre d'injonctions pour que ce même gouvernement prenne ses responsabilités, notamment en vertu de la COP21, c'est-à-dire des accords de Paris qui ont été signés en 2015 et que nous ne respectons absolument pas. Donc moi, je le dis très clairement, c'est un peu dernière station-service avant le désert. Et la question que je me pose, parce qu'il y a un peu un clivage générationnel là-dessus, c'est comment nos enfants, ceux qui ont aujourd'hui 5, 10 ou 15 ans, regarderont nos débats demain et nos délibérations en se disant, en 2022,
il y avait encore certaines personnes qui disaient que le terrorisme, qui disaient que la préservation de l'environnement, ça relève du terrorisme, qu'il faut continuer à consommer du foncier agricole. Moi, je rappelle quand même une chose ici, parce qu'il faut aussi parler de l'Ardèche, c'est qu'il y a peu de foncier agricole en Ardèche. Nous sommes un territoire avec un environnement remarquable, mais tout n'est pas agricole, et les surfaces utiles, les surfaces agricoles utiles en Ardèche ne représentent que 23% du département. C'est très très faible, c'est beaucoup plus faible que dans certains départements qui montent à 50, 60, 70% de surfaces agricoles utiles. Donc si nous ne les préservons pas, et plus encore en Ardèche qu'ailleurs, nous sillons la branche sur laquelle nous sommes assis, puisque le localisme qu'évoquait tout à l'heure Mme Porquet, c'est-à-dire les circuits courts, ne pourront se faire que si on a de la terre et que si on a de l'eau. C'est un autre sujet, un sujet d'ailleurs qui n'est pas sans lien avec le nucléaire, parce que moi je vous entends toutes et tous sur votre volonté quasi unanime de construire des réacteurs, mais je veux vous indiquer que pour refroidir un réacteur, il faut de l'eau, et que la Compagnie nationale du Rhône a indiqué dans une étude récente qui date de 2021 qu'à la fin de ce siècle, l'ensemble des sources du Rhône serait tari. Alors expliquez donc à ces enfants que j'évoquais tout à l'heure comment vous allez faire pour refroidir des réacteurs quand on n'est même pas certain de pouvoir refroidir jusqu'à leur terme les centrales qui existent déjà aujourd'hui. C'est une vraie préoccupation qui doit nous obliger à prendre en compte évidemment la réalité nucléaire. Elle est là. Et moi, ma principale préoccupation, elle porte plutôt sur notre capacité à sécuriser et à assurer la sûreté nucléaire, mais à accélérer considérablement notre transition, à changer également de modèle, de paradigme sur nos modes de consommation, sur nos modes de production, pour éviter de se retrouver dans une situation qui, peut-être pour la génération suivante, au pire pour celle d'après, nous conduirait non pas à la fin de la planète, c'est pas le sujet, la planète. Si demain la planète se débarrasse de l'espèce humaine, elle continuera à tourner et à très bien fonctionner. La planète n'a pas besoin des hommes et des femmes pour vivre. En revanche, nous avons besoin de la planète. Merci, ce monsieur Solignac. Madame Ginès, vous êtes très en retard par rapport à vos autres candidats. Vous avez pris un temps de parole de 16 minutes, alors que monsieur Solignac a pris 26 minutes devant monsieur Val à 25 minutes. Et Céline Porquet et Marie-Elisabeth Flash, vous avez parlé un peu plus de 21 minutes. Donc, est-ce que vous souhaitez dire quelque chose, développer est-ce que vous avez autre chose à dire avant de conclure? Éventuellement, si vous avez quelque chose à ajouter, Marie-Elisabeth Flash et Céline Porquet, pour rattraper quelque peu monsieur Solignac et monsieur Valla, vous avez en tout cas ce temps de parole qu'on vous donne dans ce souci d'équité. Bien évidemment, il y a plusieurs choses qui seraient à dire, mais c'est déjà très important d'avoir eu ce débat démocratique, de pouvoir exprimer chacun ce qu'on avait à exprimer. Nous avons tous cette même volonté, c'est de faire avancer notre territoire. Donc, concernant l'écologie ou la transition, bien sûr qu'on sait, pour revenir à ce que disait M. Solignac, on sait que le nucléaire n'est pas la solution, elle est la transition. Et c'est seulement sur ça qu'on doit s'appuyer. Bien évidemment, c'est bien plus complexe que ça, mais les énergies renouvelables doivent être développées, oui, pour notre pays. Très bien. Madame Porquet, quelque chose à ajouter sur ce qui vient d'être dit ? Non, sur ce qui vient d'être dit, oui. Non, mais non, oui. Est-ce qu'il y aura d'autres prises de parole, notamment pour la conclusion ou pas ? On va bientôt conclure. Moi, je voulais simplement, voilà, par rapport au temps de parole qui vous a été donné, vous êtes un peu à quelques minutes avec M. Solignac et M. Lac, qui ont un peu plus parlé que vous. Voilà, après, je voulais quand même qu'on reste dans les thèmes abordés ce soir et qu'on n'aille pas au-delà. Mais si vous avez quelque chose à ajouter, voilà, moi, c'est ce souci. Maintenant, si vous pensez que... Ben oui, j'ai quelque chose à rajouter. Eh ben, c'est de dire aux Ardéchois d'aller voter. C'est 12 et 19 juin prochain. J'ai envie de leur dire que ce bulletin de vote, c'est le seul moyen qu'ils aient encore pour pouvoir changer les choses, pour pouvoir freiner cette triste politique d'Emmanuel Macron qui va être menée ces 5 prochaines années sur la casse sociale, la retraite à 65 ans, l'immigration massive et... pour que la justice revienne. Je leur dis votez pour la seule opposition à cette politique, c'est le Rassemblement National. Je leur dis votez parce que c'est la dernière échéance électorale avant une très grande ligne droite où plus rien ne sera possible,
où nous aurons juste nos yeux pour pleurer. Et donc, je leur dis, votez. Merci, Marie-Elisabeth pour Flash. Moi. Non. Marie-Elisabeth Flash, vous avez quelque chose à ajouter. Oui. Juste un petit mot. En fait, mon désir le plus profond, c'est vraiment que les Ardéchois vivent au lieu de survivre. Et c'est pour ça que ce que je désire le plus, c'est de connaître leurs préoccupations et de les représenter vraiment à l'Assemblée nationale. Et pour cela, j'ai décidé aussi de faire une permanence une fois par mois dans les villages ardéchois de la première circo pour être au plus proche des maires et plus proche des villages quand je serai élue. Très bien, merci. On va peut-être conclure justement. Comment l'avez-vous vécu ce débat qui était pour vous, on va dire, une découverte? Est-ce que ça reste une belle expérience de vie? Et puis évidemment, pour la démocratie, c'était d'autant mieux. Comment vous l'avez vécu? Dites-nous un petit peu votre ressenti avec vos opposants, évidemment. Mais... Bah déjà, merci encore de l'avoir organisé. C'était une très bonne expérience, en vrai. Merci, vraiment. Et merci à vous d'avoir été présents, les candidats. Séverine Ginez, pour conclure, quelques mots? La conclusion, oui, merci. Oui, ben merci, merci. Comment pour ce vous avez débat. Vécu ce, ben, ce comment ce, j'ai ce... vécu? Ben, très bien, bien sûr que je suis beaucoup moins à l'aise que mes concurrents, parce que ils ont quand même une belle expérience politique et c'est très bien, bien sûr. Mais n'empêche que j'ai quand même une belle volonté, une belle énergie qui se cache derrière tout ça. Merci en tout cas, Michel Valla. Quelques mots pour conclure. Vous avez quasiment parlé plus que les autres. Ouais. Je ne comprends pas trop bien votre pas. Système là, de comptage, parce que j'ai l'impression Monsieur Valla, j'ai l'écran qui est là, regardez un peu. Voilà, on a vraiment à la D'accord. seconde près le temps de parole okay. des candidats. Bon, moi, je voulais juste faire une réflexion quand même. On est 10 candidats dans cette circo. Oui. Il y en a 5 qui ont disparu de la circulation. C'est vrai. On ne les a jamais vus. On n'a aucun document. On ne sait pas d'où ils proviennent. C'est dommage parce qu'on aurait pu être peut-être 2 ou 3. Alors, plus non. Alors, je vais vous dire, nous avions fait le choix de ne pas avoir ces candidats simplement pour vous laisser plus de temps de parole. Et d'ailleurs, je voudrais les citer. Il y a Éric Lehoer qui est de la droite souverainiste qui se présente. Boris Staprenko chez les écologistes. Muriel Van der Donckt, divers extrême gauche. Nous avons un autre candidat d'extrême gauche, divers extrême gauche, c'est Pascal Chambonnet, et Clara Madeira, qui est régionaliste. Nous avons donc les 10 candidats que nous n'avons pas invités, tout simplement pour laisser la place aux 5 candidats qui avaient représenté le plus, on va dire, en termes de voix, en termes d'élection présidentielle et en même temps au niveau local. Voilà, tout simplement, c'est un choix de la rédaction. Voilà. Pour conclure, pour une fois, peut-être, je vais être d'accord avec Madame Porquet. Je suis d'accord avec elle quand elle dit il faut aller voter. Ça, c'est très important. Et puis, il faut faire voter. Non seulement il faut aller voter, mais il faut faire voter. Voilà. Merci beaucoup. Merci, en tout cas, merci Valla. Pour votre présence. Céline Porquet. Voter, c'est 12 et 19 juin prochain. Non, je reviens sur ce qu'a dit Monsieur Valla également. C'est vrai qu'on est 10 candidats dans cette élection oui. législative. Mais bon, je comprends tout à fait que c'est pas facile, mais je pense qu'il faut le souligner qu'il y a 5 autres oui. candidats au point de vue démocratique. Bien sûr. Et encore merci à TV07. Je sais que vous êtes tous bénévoles dans votre petite entreprise, j'ai envie de dire. Et voilà, ça a mérité beaucoup d'organisation, beaucoup de temps. Et voilà, encore merci pour ce débat, encore merci pour ce grand moment démocratique important. Ma foi. Ce que je peux regretter, c'est qu'on n'a pas eu trop de réponses de la part de la majorité gouvernementale. On ne sait toujours pas ce que pense M. Hervé Zouvignac sur beaucoup de sujets, comme développez d'habitude. Pas, développez pas, c'était juste vraiment voilà. pour conclure. On est reparti et après. Et puis, ma foi, M. Valla, c'est la première fois qu'on échange, vous et moi. Bon, c'était un petit peu houleux, mais on se reverra. Il n'y a pas de problème. Et puis, voilà. Hervé Zouvignac, pour conclure. Comment vous avez vécu, vous Très bien. Très oui, bien. Oui, j'ai trouvé ça bon. Sympa. Ouais. Pour conclure en quelques mots, parce que j'ai cru comprendre que j'avais mangé un peu du temps de parole, liberté, égalité, fraternité, laïcité, transition, ça fait à peu près un programme. Ça peut faire 50% le 19 juin, c'est celui que je porte. Merci.
Merci à vous. En tout cas, merci à Jamel Hadji, la réalisation, Guillaume Sartre, toute l'équipe technique qui sont derrière. Je voudrais que le public qui est présent applaudisse toute l'équipe technique, et également les candidats présents ce soir. On vous remercie en tout cas sur TV07. On se dit à très vite pour d'autres reportages de notre belle Ardèche qu'on aime tant promouvoir et découvrir. À très vite. Ciao, ciao.